Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma voix était encore partie en couille. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau live, Miitopia, voilà, vous savez, TMC, voilà. Quatrième épisode. Alors, j'ai changé d'avis, finalement. Il y en a marre d'XP toute l'équipe, hein. C'est vraiment chiant, hein. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc c'est bon, maintenant on arrête d'XP toute l'équipe à chaque fois. On va juste XP, genre j'ai 4-5 personnes qu'on va conserver. Et après, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura forcément des moments où les gens de notre équipe seront malades. Et quand ça arrivera, bah, on mettra d'autres gens, c'est tout. Puis ils XPeront avec le reste, et voilà, c'est tout. Bref. Bah écoutez, j'avais pas fait de live pendant longtemps. Et là, directement, j'ai repris avec beaucoup de live. Bon, en tout cas, ça va très bien. Let's go. XP que les plus forts. Bah là, d'ailleurs, hier, j'ai continué à jouer, hein, j'ai XP. J'ai Moha, je crois, qui est niveau 41, et les autres qui sont 38, 39. Je sais plus, vous verrez. Donc ouais, je vais XP 5 personnes, 5-6 avec le nouveau, probablement. Bref, alors Trump, il veut quoi? On s'en fout. Trump, c'est bon, il est plus président, on ne l'écoute plus. T'as failli crever en sport? Bah dis donc, ta vie, c'est vraiment les montagnes russes, toi. Enfin, les montagnes russes, non. Parce que les montagnes russes, ça fait genre, des fois, des trucs cool et des trucs pas bien, puis des trucs cool, puis des trucs pas bien. Toi, genre, c'est... C'est en fait, genre, toujours en bas, en fait. Ouh. Illuminati, ok. Laia, Luigi. Luigi pour sa quête de merde, encore. Alors. Le rage du bled, tu n'auras pas de pub si tu te sub, voyons. Donc, on va faire un nouvel équipier. Comment on fait ça? Je sais plus. Faut aller dans équipier ou faut aller dans auberge? Parce que là, c'est bon. On va mettre un nouvel équipier, enfin. Voilà ce que. Et d'accord, super. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait entendu dire, Siri? Donc, on va faire un nouvel équipier. Comment on fait ça? Et Siri m'a dit... Acte Sud Junior, Guillaume Reynard, comment on fait? Quoi? C'est qui Guillaume Reynard? Comment on fait ça? Guillaume Reynard, des milliers de livres avec la livraison chez vous en un jour ou en magasin avec 5% de réduction. Merci Guillaume Reynard. Bref, c'est où? Ah, bah merci New Star pour ton raid. Et wesh, Beyblade. Comment ça, trier l'équipe? C'est peut-être là? C'est probablement là, je crois. Yes, nouvel équipier! Et le nouvel équipier, ça va être... Valou. Pourquoi Valou? Parce que Valou il adore Zelda. Donc c'est la classe qui lui ressemble le plus. On lui mettra tout le temps des vêtements en vert quand on peut. Donner de sauvegarde, ouais je crois. Ok. Alors il est où Valou? Voilà, en plus vous voyez tous mes mis, vous avez pas le droit. C'est pas grave. Je l'ai peut-être déjà passé et j'ai pas fait attention. C'est tout à fait possible. Non, je l'avais mis. On peut pas trier. Ok, voyons voir, où est-il? On va faire plus attention. Il est là, non? Non. Je l'ai pas mis sur le jeu? Peut-être. Bon, t'as vu, Johan Herrera. Vous l'avez vu? Je le vois pas. What? Salut Dylan. Ouais, j'ai un moustillon mis. C'est un pote qui me l'a passé. Pourquoi je peux pas trier? Mais c'est pas possible. Oui, il y a les crewmates et tout, mais... Genre, je l'avais pas encore mis sur le jeu, Valou? Ah bah, s'il est là. On est passé 3 fois devant lui. Super. Oula, qu'est-ce qu'il est, Valou? Qu'est-ce qu'il est? On a des assurés? Je crois qu'on a tout, on a toutes les classes maintenant, non? Rêveur, c'est de la merde, ça. Et salut, Anto. Pourquoi tu en as autant? Parce que justement, des fois, en arrière-plan, dans certaines missions, bah, ils sont là. Donc voilà, voilà. Pas dans certaines missions, mais dans certaines sorties. Donc c'est marrant. C'est pas Valou, ça, MDR. Bah, je sais pas. Si, c'est Valou. Enfin, genre. Non, il a pas cette coupe devant. Mais. Je sais pas pourquoi il s'est fait ça. Il est quoi, Valou? Il est énergique, hein, il est énergique. Vas-y. Et donc sa classe, eh bien c'est la nouvelle classe, les elfes. Enfin nouvelle, elle est pas nouvelle. Mais nous on l'a récupérée hier. Vas-y, on confirme, let's go. Je vais lui retirer sa perruque quand il sera en dehors de l'auberge. Valou comme le dragon de Wind Waker. Dans Wind Waker, il me semble que ça s'écrit avec deux O, Valou. Mais oui, donc techniquement ça se prononce pareil, même si c'est ni la même personne, ni la même orthographe. comment on fait déjà? Équipier, je sais plus. Non. Modifier. Visage et surnom, caractère. Eh mais c'est relou, il y a trop de trucs pour les modifier.
Équipement, c'est peut-être là. Changer l'aspect. Non, c'est pas ça. C'est trop compliqué. Mais j'avais galéré la dernière fois quand j'avais voulu. Ah, perruque et maquillage. Ça doit être ça, à mon avis. Perruque. Et là, retirer la perruque. Non, non. Paramètres, perruque à l'auberge et en sortie. C'est bon. Ok, parfait. Oh, son œil, il était particulier. Genre, ouais, il a mis un truc dans l'œil. On est obligé d'avoir le online pour donner son QR code d'Emmy. Oui. Déjà, il n'y a plus de QR code, Dylan. Si tu parles de la version 3DS, non, t'es pas obligé d'avoir le online. Mais si tu parles de la Switch, il n'y a plus de QR code. Donc, faut donner un code, mais on est obligé d'avoir le online. Bon, on va commencer à donner à manger à Valou. Ouais, bah, il n'y a plus de QR code, tout simplement parce que... Bah, il n'y a plus d'appareil photo sur la Switch. Donc, ce serait un peu compliqué. Ok, très bien. Et le reste, on donne à tout le monde au hasard. Vas-y, donc pas à tout le monde. Adam, il en a pas eu. Salut Fire Kimi. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir. Donc Valou, il veut un truc. Oh ouais, Valou, on arrive, il veut déjà une nouvelle arme. Mais tranquille. La manette de Switch a une caméra. Non, la manette de Switch, elle a une caméra infrarouge. Ce qui est pas du tout pareil. Ça voit les chaleurs, mais ça voit pas du tout les détails sur un écran. Si tu imprimes une feuille, enfin sur une feuille, un QR code, une caméra infrarouge le verra jamais. Elle verra juste la feuille. Sauf si, malheureusement, elle est de la même couleur que le ray. Enfin, non, elle est de la même chaleur que tout ce qu'il y a d'autre dans la salle. Dans ce cas-là, elle verra même pas la feuille. Pareil, si tu montres un écran, genre un écran de téléphone, par exemple, avec le QR code dessus, et bah, la caméra infrarouge, elle verra juste un téléphone, probablement chaud, d'ailleurs. Donc, elle le verra ressortir, mais elle verra pas ce qu'il y a sur l'écran, en fait. Mais écoutez, pour commencer... Je vais en profiter pour lire un peu le chat en faisant des sorties avec Valou et Kirbendo. Vas-y, on va aller à la salle de sport. Allez, tranquille. L'arme est super grande. Bah, c'est un arc aussi, donc... Là, tu vas faire un niveau, il sera déjà niveau 10. C'est possible. Joyeux anniversaire, Gapass91. Les amis, souhaitez tous bon anniversaire à Gapass91. Moi, ça a très bien, Fire Kimi. Ça, c'est moi un jour sur deux, maintenant. À droite. Oui, Dylan, faudrait que tu me donnes ton code, mais maintenant, j'ajoute plus personne. Enfin, j'ajoutais les gens sur Discord, mais c'est fini. Enfin, de toute façon, là, on les fait plus les sorties, donc ça servira à rien, en fait. Genre, on te verrait jamais. Un slogan? C'est quoi, un slogan? Vas-y, slogan, si je clique dessus, il se passe quoi? Oh, c'est stylé, ça! Eh, mais on l'avait déjà fait, mais là, ça, mais c'était il y a longtemps! Le faites pas pour mon anniversaire. Je veux que les gens, pour mon anniversaire, ils écrivent eux-mêmes un message original chacun. Je veux pas qu'il y ait un slogan qui envoie automatiquement. Hein. On va les emmener niveau, je sais pas, 12, un truc comme ça. C'est ce qu'on faisait d'habitude. De toute façon, ça va assez vite, là. Encore salle de sport. Ah bah, gap passe, là, tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Ça va très bien, toi, Samologue. Tu vas faire du Fortnite. Ce n'est pas prévu. Probablement. De toute façon, la dernière fois que j'ai dit que je n'en ferai plus, j'ai fini par en faire et après les gens ils ont dit t'as menti. Donc je ne vais rien dire. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Salut Sarah Léa. Ok, en plus on gagne plein de protéines. Salut fucking YNS. Ça va et toi? La nouvelle saison est ok de Fortnite. LND Ryan, t'es un peu déçu parce qu'apparemment, bah, y a pas de changement sur la map. Elle a pas été modifiée. Mais je sais pas, y a quoi de bien alors, Anto? Les skins, peut-être? Genre les événements, je sais pas. Je sais pas, j'ai rien vu du tout. J'ai juste démarré le jeu une fois. Mais je me suis trompé, en fait. Je voulais démarrer le jeu de Kaji pour, sur ma Xbox pour lui récupérer des récompenses. J'ai pas compris. Mais donc, ouais, j'ai démarré le truc une fois, mais je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas pris le pass de combat, j'ai pas joué. Le pass de combat, il est bien? Y'a quoi comme perso? Enfin, y'a quoi comme skin dans le pass de combat? Enfin, y'a des persos qu'on connaît? Oh, j'ai vu qu'il y avait le skin cartoon là. Y'a le mec poisson cartoon et on peut changer les couleurs d'après ce que j'ai vu. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau planeur, genre Marvel, et qu'en fait c'est un écran et que ça affiche genre des couvertures de comics connus apparemment de Marvel. Genre il y a du Wolverine, du Spider-Man, et en fait il me semble qu'on débloque gratuitement le planeur, et qu'après c'est dans le pass payant, je crois qu'on a le reste, je sais pas. Ah, Carnage, il est dans le pass. Stylé. Le skin licorne, je l'ai vu,
J'ai vu vite fait le trailer. Enfin, pas le trailer, la bande-annonce présentation, j'en sais rien. J'ai vu le licorne, c'était stylé. Vas-y. Cours de cuisine. Allez, Valou et Kirbendo en cours de cuisine. Le pass de combat a l'air cool. Bah, je sais pas. Faudra que j'aille jeter un oeil. Bon, on fera bien un petit live avant la fin de la saison. Mais je prendrai pas le pass, hein, c'est quasiment sûr. Le skin Charlotte est tellement belle, elle est gothique. Ça, c'est un perso original, j'imagine. Donc, je vois pas du tout. Il adore les gratins, Valou, je sais. Et on garde la nourriture qu'on a préparée. Ce serait quand même bien. Quoi? Ils ont fait un gratin et ont fini avec des bananes PV. C'est quoi cette blague? Spider-Man, toujours pas dans le jeu. C'est vrai? Il n'y a pas de skin Spider. Oh, mais je sais très bien pourquoi. Ah bah non, je sais pas très bien pourquoi en fait. J'allais dire, c'est parce qu'ils attendent la sortie du film. Mais en fait, c'est vrai que Spider-Man, il est dans une zone grise à cause de Sony. Donc ça se trouve, c'est parce que Sony ne veut pas. Peut-être que Disney voudrait, mais que Sony ne veut pas. Ou qu'il demande trop d'argent. Je sais pas. Bon, on verra bien. Peut-être qu'il sortira pour le film. Le film, il sort quand d'ailleurs? Novembre, décembre? Parce que là, attendez, c'est ouf. Genre, il y a eu Shang-Chi. Shang-Chi, il est génial. C'est l'un des Marvel que j'ai préféré. Franchement, si vous aimez bien les Marvel et que vous hésitez à voir Shang-Chi, j'ai trouvé vraiment super cool. C'était vraiment bien. Puis après, bon, ça va être lié avec tout le reste de Marvel. Donc en théorie, il faut regarder tous les films Marvel. Hein, si vous aimez bien le MCU... Il vaut mieux tous les regarder. Mais Shang-Chi, vraiment, vous le regretterez pas. Il était vraiment cool. Là, il y a Dune qui est sorti aussi. Dune, c'était incroyable. Hein, vraiment, pour moi, c'est le meilleur film de l'année, Dune. Après, il y a quoi? Il y a James Bond qui sort. Après, il y a Les Éternels de Marvel. Ensuite, il y a Spider-Man. Il y a quoi d'autre comme film qui sort cette année? Je sais même plus, mais il y a trop de trucs. Tu préfères DC ou Marvel? Je préfère DC. Pas au cinéma. Malheureusement, DC, c'est un peu bof au cinéma depuis le début. Mais, enfin, pas depuis le début. Depuis le reboot avec Man of Steel, mais à l'époque, genre, les films The Dark Knight de Nolan, ils sont vraiment ouf, les premiers Superman sont vraiment ouf, donc c'est un peu nul au cinéma en ce moment, tout est pas nul, hein. Le dernier Suicide Squad, cool, le premier Suicide Squad, vraiment nul, mais le dernier était vraiment, vraiment cool, donc il y a des trucs bien dans DC Comics, mais pas beaucoup, la pub a été demandée, merci Mascou. Mais je préfère quand même DC. Vous êtes plutôt DC ou Marvel? Il y a quelqu'un qui a demandé ce qui se passait avec Sony et Spider-Man. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a un problème, en fait, c'est qu'à l'époque, avant que Marvel soit racheté par Disney, et avant que Marvel fasse des films eux-mêmes, ils n'avaient pas les moyens de faire des films eux-mêmes, Marvel, parce qu'ils n'avaient pas de studio de cinéma. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils donnaient à d'autres studios l'exploitation de leurs personnages. Et ils ont vendu, à l'époque... Spider-Man. Enfin, ils ont vendu. Ils n'ont pas vraiment vendu Spider-Man. Ils ont donné l'exploitation de Spider-Man à Sony. Donc Sony, ça veut dire que Spider-Man n'appartient pas à Sony, bien entendu. Marvel, quand ils font des comics Spider-Man, quand ils font même des jeux vidéo Spider-Man, etc., eh bien, qui sont pas adaptés des films, c'est Marvel a le droit. Donc Disney a tout à fait les droits, ils ont rien à demander à Sony, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, toute l'exploitation de Spider-Man au cinéma, et peut-être même en série, ça j'en sais rien, mais au cinéma, doit passer par Sony. C'est Sony qui a le droit exclusif d'utiliser Spider-Man et de récupérer d'ailleurs la plus grosse partie des revenus. Voilà. Il y a eu le même souci avec d'autres super-héros. Hulk a été donné comme ça à Universal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus, enfin c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de film Hulk en ce moment. Parce que déjà le dernier il a pas rapporté beaucoup d'argent premièrement. Et en plus de ça parce que s'il doit y avoir un film Hulk, genre Hulk, pas à tort avec Hulk dedans, un vrai film Hulk, il faut que Universal soit d'accord. J'ai envie de continuer à parler donc je continue avec ça. De toute façon c'est pas perdu. Mais voilà, donc ça fait que il peut pas y avoir de nouveau film Hulk tant que c'est pas Universal eux-mêmes qui le font. Voilà pourquoi il n'y en a pas. Il y en aura peut-être à un moment, mais voilà pourquoi il n'y en a pas. Et c'est aussi pour ça que les X-Men, qui sont pourtant Marvel, n'étaient pas dans le MCU du cinéma, parce que justement, ils appartenaient à la Fox, comme les 4 Fantastiques d'ailleurs, donc ils appartenaient pas, mais les droits cinéma étaient à la Fox, comme les 4 Fantastiques. C'est pourtant tout ça, c'est dans le même univers. Et il y a un autre truc aussi, c'était Daredevil. Daredevil, il appartenait aussi, entre guillemets, quand je dis appartenir, bon, vous avez bien compris, il avait été légué à la Fox à l'époque, sauf que c'est toujours en fait des trucs qui durent un certain temps. C'est-à-dire que Daredevil, il me semble qu'il n'avait... Il pouvait, comme le Ghost Rider, la Fox avait le droit d'en faire des films, sauf que s'il n'en faisait pas au bout de 5 ans,
Eh bien, si le personnage n'est pas exploité pendant 5 ans, les droits étaient réexpédiés à Marvel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le premier film Daredevil, que le film Daredevil il a été un échec. Donc ils ont attendu juste la limite du temps pour lancer le tournage d'un nouveau film Daredevil. Et en fait, genre, malheureusement, à cause de problèmes de production, le deuxième film Daredevil ne s'est pas fait. Donc la Fox a dû restituer les droits. Super. Salut Gamer Couleur. Les droits de Daredevil à Marvel. C'est pour ça que Marvel a fait une série Daredevil il y a quelques temps. Voilà. Et c'est... c'est tout. Le Ghost Rider, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de série Ghost Rider, mais le Ghost Rider est apparu dans Agent of S.H.I.E.L.D. Voilà. Bon, j'ai pas prévu de refaire Isaac. Bon, on va peut-être aller niveau 20 alors. Et après, on se barre. Ça va être mon meilleur ami là sur le jeu, Valou. J'ai même pas vu niveau combien on était. Tire le pro de Marvel. Je suis pas pro de Marvel. En fait, je m'y connais quand même plus. Enfin, le MCU, je connais tout, au cinéma, presque. Genre, j'ai vu toutes les séries, tout. Mais je m'y connais quand même plus en DC. Vas-y. On est niveau 18. Ok, dernière volonté. Très bien. Suicide Squad 2, on peut la trouver. Ouf. Suicide Squad, il est sorti il y a pas longtemps au cinéma. Donc tu pourras le regarder nulle part. Enfin, tu pourras peut-être le télécharger illégalement. Mais je ne le recommande pas. Non, je pense qu'il est plus au cinéma, quoi. Donc va falloir que t'attendes. Je sais pas combien de temps ça va faire pour qu'il sorte. Toi aussi, c'est ton anniversaire, Kunimomo. Bon, en tout cas, Kunimomo, merci à toi pour ton 12e mois d'abonnement consécutif. Oh, un an d'abonnement, GG. Et joyeux anniversaire à toi. Ok. Et sous ça, quoi, il va y avoir un jeu d'ailleurs qui sortira l'année prochaine. Comme le nouveau Batman là, sans Batman d'ailleurs. C'est honteux. Pourquoi c'est honteux? T'as plein de prix différents? Pourquoi, Gamer Cooler? Miitopia coûte combien? Ça dépend. Je sais pas. Dans tous les cas, tu t'en fous. Prends-le là où il est le moins cher. C'est 60 balles chez vous? Ouais, ça dépend. Sur Amazon, il est probablement moins cher, mais bon. Anniversaire d'abonnement. Ah! Ok. Bon, c'est comme il y a moins d'un mois ton anniversaire, donc joyeux anniversaire en retard. Et anniversaire d'abonnement, yes! On est arrivé niveau 20 ou pas? J'ai pas fait gaffe. Non, 19, ok. Miitopia, 60€. Ça me paraît cher, 60€ pour Miitopia quand même. Sur l'eShop, peut-être qu'il coûte 59€. Enfin, donc 60€, entre guillemets. Mais à mon avis, sur Amazon, il coûte moins cher. Ça s'appelle les rênes pour diriger un cheval. Valo, il en a besoin d'aller à la bibliothèque, hein. C'est 40, 45, de quoi? Ouais, pour le prix. Ouais, ça paraît le prix standard, je pense. Et voilà, on est niveau 20. Donc, Valo, on va le mettre avec qui? Dans mon équipe, en vrai, moi, ce que j'ai XP, c'est... Bon, Kirbendo, Moha, Kaui, Dedley et Kaji. C'est ceux que j'XP. Je vais augmenter sa relation comme ça et comme ça. Bye bye, Dedley. Le pauvre, il se retrouve tout seul. Les autres, ils veulent dire... Et j'ai 74 000 pièces. Je sais pas si vous l'avez fait remarquer. Mais c'est énorme, non? Genre, c'est énorme. Vraiment, j'ai... À force de faire le truc pour gagner de l'XP, j'ai gagné plein de pièces. Ça fait deux fois qu'il nous fait le coup. Hein. Quand même. Pff, quel gâchis. 74 000 pièces, je me rendais pas compte, genre j'étais en train d'augmenter d'XP. Je me disais, oh ça va pas assez vite l'XP là, bon sang. Et en fait, genre sans m'en rendre compte, je gagnais des pièces en plus. Je vais plus leur acheter à eux pour l'instant vu qu'ils sont pas vraiment dans mon équipe. Et la bouffe, on donnera la prochaine fois à Valou. Donc, on peut retirer Moha parce que c'est lui qui est le plus fort. Et voilà, let's go. Salut Monsieur Richard 4, moi c'est 50 Miitopia, comment... Ah, le prix, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une quête? Vous voulez qu'on essaye d'aller au quartier, là? Le quartier, je pense que niveau 1, c'est pas la peine. On veut essayer de faire une petite quête. Hein. Niveau 33... Livraison, ça on peut la faire. Ça, c'est rapide. C'est la faute à Anto, si Kaoui, après un bon PM. C'est toujours la faute à Anto. Ça ne change pas, ça. Il coûte combien, Animal Crossing? Mon Mario préféré, Paper Mario... Ah, ça dépend.
Paper Mario 2, Super Mario Bros 3, Super Mario Galaxy 2, c'est compliqué. Allez, c'est bon, on fait la livraison. Tu me suis depuis Paper Mario Color Splash? Ça commence à dater, hein, c'est ouf, hein. Genre, j'aurais tendance à dire, ouais, c'était il y a pas si longtemps, hein. Si, si, ça fait combien, 5 ans, non? 6 ans? Je sais plus, hein. Mais ouais, ça commence à dater, tout ça. Non, Evan le Geek, je préfère avoir aussi les tenues des autres. Comme ça, ça fait qu'en plus, si jamais je les mets dans ma team... Bon, déjà, on s'en fout, vu que j'ai pas de ticket de jeu. Mais comme ça, si jamais je les mets dans ma team parce qu'il y a trop de gens malades, et bah, ils auront du niveau en retard. Mais au moins, ils auront pas en plus les... Enfin, ils auront pas en plus les tenues en moins, quoi. On va faire la plus difficile pour XP. Vas-y, vas-y, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, les fans qui hurlent ton nom, oui, on les connaît. Quoi? Attendez, ça va pas être encore un truc avec des Boeing? Ils se fichent de nous si c'est encore des Boeing. Oh, laisse tomber, hein, laisse tomber, hein. Mais c'est une blague, pourquoi elle est censée être difficile une mission de Boeing? C'est jamais difficile. En plus les Boeing qui sont forts, les ultra rares, ils peuvent se barrer. Donc c'est pas dur. Ouh, 17 000 pièces, ça c'est cool. Le mythe Valou est pas très beau. C'est pas gentil. Allez, on va au pays de Nimbus. Oh, stylé cette zone. Une zone futuriste là. Et il y a plein de trucs où on n'est pas allé. On devrait peut-être essayer d'y aller quand même, hein. Ouais, 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 pour essayer d'avoir les coffres et tout. De toute façon, là, on s'en fout un peu de ce qu'on fait. Il faut juste qu'on augmente de niveau, qu'on gagne des tenues. Et je pense qu'à un moment de ce live, on ira faire les quartiers, là. Enfin, on continuera Néo Lumière. T'es enfin devenu une fleur de combat, Johan RR, dans ta partie. Le mi le plus beau, c'est le mien. Il est bizarre, ton mi. Allez, Zoé lui a donné une banane PV, super, on est content pour eux. Secreti va encore arriver en retard. Je pense, c'est toujours ce qu'il fait. Oh oh. Mince, c'est vrai que j'ai mis les combos automatiques. Kirbendo, il fait vraiment de la merde avec les combos automatiques, c'est incroyable. C'est vraiment trop pourri, hein. Allez, il fait des grimaces, on s'en fout, on s'en fout. Il va faire un point de dégâts. Et... En plus 82. Merci Kirbendo. Alors combien de niveaux ils gagnent les gens, selon vous? C'est pas des ennemis ultra balèzes, hein. Donc combien ils gagnent? Ah ouais. Ah, que 5 niveaux. Bon, c'est quand même déjà pas mal, mais bon. Quoi? Ils gagnent 5 niveaux, ils gagnent 0 pouvoir. C'est chelou, c'est chelou. Bon, peut-être que c'est encore une de ces nombreuses classes où il commence à gagner des trucs vraiment très en retard. Salut, Mospectro le vrai. Mais il est où d'ailleurs le faux Mospectro? Que signifie l'icône étoile à côté du pseudo? Ça veut dire que tu es sub. Un pourpoint en cuir. Faut du vert, hein, faut du vert, sinon je ne lui mets pas. Ah, salut Secreti. Tu manquais à Mascou. S'il y a une tenue où il n'y a pas de vert, je lui donne pas. Parce que c'est bon, c'est Link. Mais après, Link, il a aussi porté du rouge, du bleu, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Allez, c'est bon, je vais me ruiner. Je vais complètement me ruiner. Il est sérieux, Kaoui, là? Ma team Utopia, mage... La pitié est ma sœur, vampire, cuisinière, guerrière, prêtresse, féline, diablotin, scientifique, princesse, tank, Floy en fleurs. Ah, stylé. Dexter, genre Dexter du dessin animé. Alors. C'est déjà Valou. Très bien. On va lui donner des petites protéines. Faut qu'il goûte les trucs, Valou. Ah, il est déjà full. Oh, j'aime pas ça. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Ils étaient tous full et pourtant, il restait la nourriture. Moi, je m'en fous. De toute façon, je veux pas dépenser la nourriture trop vite. Parce que je veux que Valou, il goûte plein de trucs. Dexter aux cheveux orange, en tout cas. Ouais, donc celui du dessin animé.
C'était trop drôle ça, hein. Je regardais ça quand j'étais tout petit, c'était trop drôle. Et c'est d'ailleurs bien scientifique. T'as fini à 100% 3D World ou c'est juste moi qui a pas tout regardé? Oui, j'ai fini, hein. Il y a toutes les rediffusions de live sur la chaîne secondaire. Et on a tout fini, on a fini tous les niveaux. Avec tous les personnages. Donc on a vraiment tous les tampons. Ok, pas mal, pas mal. Bon, d'ici la fin de cette zone, il sera probablement déjà niveau 20. Enfin, d'ici la fin de la quête, il sera au moins niveau 20, je pense, Valou. Hein. Il y a moyen, quand même. C'est la dernière classe, elfe. Ouais, ouais. Ils ont rajouté une zone sur la version Switch, il paraît. Même si je l'ai pas encore vu de mes yeux vus. Mais ils ont pas rajouté de classe, je crois, malheureusement. Bon, allez, le coffre. Ah non, le coffre, il était en bas, je crois. Dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu rajouter une petite classe, ça aurait été cool. Ils auraient trop dû ajouter une classe plombier. Genre un truc en mode Mario et tout, ça aurait été stylé. Mais attendez, mais c'est vrai que Valou, il a aucune relation avec le cheval. Mais j'ai pas de ticket de sortie avec le cheval, ça c'est chiant. Et oui, Kirbendo aussi, il est passé maintenant niveau 81 de relation avec le cheval. Incroyable. Incredible. Une classe artiste référence à Kirby. C'est vrai que ça aurait été stylé aussi. Genre peintre et tout. Genre il serait battu avec un pinceau et tout. Oh, ça aurait été stylé. Pourquoi Valou est là? Ok. Ouais, lien suprême, carrément, genre. Mais écoutez, on va mettre Valou avec le cheval. Et on verra plus tard pour qui augmente de relation avec Kaoui. Ok, très bien. Valou, pour l'instant, il a pas l'air d'être très difficile. J'ai l'impression que quasiment quoi que je lui donne, bah, il aime tout. C'est cool. Ok, ça, je donnerai à Valou tout à l'heure. C'est 99, le niveau max. Oui, je crois. Je crois aussi. Alors, bah, let's go, on continue, hein. Classe dormeur stylée, en vrai. Genre, ah ouais, une classe où le mec, il regagnerait des PV tout seul et tout, genre, en dormant, ça pourrait être stylé, ouais. En vrai, il y a trop de trucs à faire. Une classe glouton. Non, il y a vraiment trop de trucs à faire. C'est dommage qu'il y en ait pas plus, en fait. En vrai, ça aurait été stylé qu'il y ait un DLC pour de nouvelles classes. Un DLC, pas un DLC, non. Mais genre une petite mise à jour gratuite pour ajouter des classes. Peut-être ils le feront, on sait pas. A plus, Secreti. Dans 30 minutes, à mon avis, le live sera loin d'être terminé. Bon, demain, on fait Pompeur Mario, hein. Sûrement à la même heure. Oh, j'ai pas vu ce qu'il avait gagné. C'est pas grave, de toute façon, ce sera indiqué quand il le fera. Vas-y, on va en bas. Ok, au coffre. Et Valou, en plus, que contrairement à Moha, et bah, genre, il est là, en combat, et pourtant, il se fait pas tuer. Moha, il faisait que de se faire tuer tout le temps. Bah, le pauvre, en même temps, il y avait des ennemis un peu plus forts, je crois, et il prenait l'aggro. Genre, il prenait l'aggro avec sa classe, alors que Valou, ça va. L'abri amélioré, genre 800 PV, la salière, c'est énorme. C'est ouf. Est-ce que c'est toi qui montes tes vidéos YouTube? Quasiment toutes. Il va y avoir une série Pompeur Mario de rediffusion qui va sortir, c'est pas moi qui fais le montage. J'ai pas le temps. Mais ouais, sinon tout le reste en ce moment c'est moi. Oh, une classe gamer serait stylé. Ok, vas-y Valou, on y retourne. J'avais oublié de regarder l'argent tout à l'heure d'ailleurs. Un arc crevette, très stylé, salut Game Mario. Yes, en plus Valou il ne se trompe pas. What the fuck. Une crevette. Et je suis content de jouer avec la classe elf parce que je l'avais pas du tout joué dans ma dernière partie. Et je suis vraiment content en fait de cette partie de Miitopia sur Switch. Je suis content de le refaire parce que j'utilise... Oh, enfin. J'utilise pas du tout les mêmes classes que j'avais à l'époque. Et je trouve ça vraiment cool. Enfin, pas... Non, j'abuse. Il y en a quand même genre... Bah, le cuisinier et la fleur, je les utilisais la dernière fois. Mais en tout cas, bah, et le guerrier aussi. Mais Kirbendo chanteur, le vampire et l'elfe, je m'en servais pas du tout avant. Donc je suis quand même très content là. Niveau max, 50. Ah, les personnes, leur niveau max de relation, c'est 50? Attends, non. Ok, leur niveau, c'est 50 et les relations, c'est 99. Ok. Une crevette, il va manger son arc, Valou. Wow! En même temps, ça a l'air grave bon. Vas-y, t'aimes bien le jambon? Ah, ça, il aime pas trop.
Ok, super. 50, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Voyant où j'en suis, ça me paraît déjà pas mal. Mais après, je suis bientôt au max avec certains persos, alors. Oh, j'ai bien plus XP que... Quand j'ai arrêté ma série Miitopia, genre l'ancienne, j'étais niveau combien dans le tout dernier live, à la fin? Tu feras du Minecraft? Bah, j'ai fait du Minecraft, la vidéo elle est sortie hier. C'est long à farmer déjà 50. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça va et toi, Mad Maxou 2006? Non, renaclement, comme ça on va aller one shot. Ouf! En plus, avec le bleu, 330 points de dégâts. Un peu abusé quand même. À quand vidéo Minecraft avec moi et Akram et Knight? Bon, il fait quand son pouvoir, Valou, par contre? Comme il a pas de vitesse, il peut jamais attaquer, qui ramène one shot les gens. On va presque aussi vite que la lumière? Ouais, à quelques milliers de kilomètres. Enfin, quelques millions de kilomètres heure près, peut-être. D'accord, mais j'aurais bien voulu voir le pouvoir de Valou. On le verra jamais. Bien sûr que je connais Super Mario RPG. Je suis devant le boss final depuis des années. Et je l'ai toujours pas battu. Tu comptes faire une série Mario Kart DS? Ce n'est pas prévu. Vas-y, mange ta potion. Voilà, super, il a regagné des PV alors qu'il n'en avait pas perdu. Salut Monsieur Hippo, ça va? Ok, tranquille, toujours. Prise en étau? Un peu nul ça par contre. Ah, parce qu'il était sûr de mourir, mais bon, c'est quand même mieux d'attaquer tout le monde, mais bon. Ah bah c'est bon, il va être mort avant que Valou puisse attaquer, toujours, toujours. C'est la malédiction. Mascou, arrête avec Hotel Mario, en plus tu le sais toi, tu le fais exprès pour m'embêter. Donc Camoun d'ailleurs, hier il est parti en disant « Je vais trouver une solution pour que je puisse jouer à Hotel Mario ». Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Oh, une lettre. Ok, professeur Catastrophe, merci pour le ticket de sortie, super. Déjà, niveau 10 dans la classe Elf. Super. Oh, on n'a toujours pas pour les chevaux, c'est chiant. Enfin, sortie avec le cheval, c'est vraiment le truc le plus rare, j'ai l'impression. Oui, ça fait des années que je joue à Hotel Mario, toi tu sais, Anto. Ça me saoule, il y a toujours des gens qui viennent me demander si je peux pas le faire. Je veux le faire! Je veux le faire, mais je peux pas. Allez, let's go. J'aurais dépensé tout mon argent en un live. Un super ensemble! Maintenant, je suis un super héros. En violet. Il y a un moyen pour le faire. Et c'est quoi le moyen pour le faire? Me dis pas émulateur! Parce que ça ne fonctionne pas. Tu as adoré mon let's play Yoshi et Pucci sur 3DS? Je suis pas allé jusqu'à la fin, je crois. C'est vrai, faudrait que je le continue le jeu moi de mon côté. Parce que j'aimerais bien le finir à 100% et la Wii U, c'est chiant pour ça. Ou il devrait faire un remake sur Switch! Oui, j'ai vu, Masque, j'ai vu ton message. Et... Ça, c'est un peu du gâchis, par contre. Quand même. Parce que l'arme, elle coûtait quoi? 200? 300? Tant pis. On peut installer Hotel Mario au Nombu Wii U? T'es sûr? Il y a un émulateur pour Wii U de Philips CDI? Ça m'étonnerait beaucoup, Game Mario. Tu comptes jouer pendant combien d'années? Probablement jusqu'à ma mort. Hein. Enfin, ça dépend. Si je perds la vue ou si j'ai Parkinson, ce sera compliqué. Mais... Ok, j'espère quand même pouvoir jouer le plus longtemps possible. Ça, c'est pas de bol. Bah ouais, non, je vais lui garder son argent. Et en plus, je peux même pas le nourrir. Donc, tant pis. Faut qu'il s'en sorte vite, là. Ah, non, non, non. Et Dedley, il s'est toujours pas réveillé, d'ailleurs. J'ai pas compris, Kuni Monomo. J'ai pas compris ce que t'as dit. Slime Rancher, ça fait longtemps qu'on m'en parle aussi, mais ça ne me dit rien. Il n'y a pas un 2 qui va sortir? Vas-y, le bon perso. Question 1. Kaoui. Son ancien Mii. Avant, c'était ça, son Mii. Il est quand même plus stylé, celui qui est dans l'équipe, là. Question 2. Toadette. Voilà, bon, c'est quand même pas très compliqué. Batman, on dirait, il a des couilles, là. Question 3. L'elfe blessé?
C'est le seul elfe qui existe. Bah oui, les autres c'était pas des elfes, c'était des visages qui appartenaient pas à des elfes. Ouf. Tire avec un pompon. Pourquoi, quoi? Allez, Valou, debout s'il te plaît. Bon, on va faire des niveaux simples en espérant qu'ils se relèvent. Après là, ça va pas être difficile avec les persos qu'il y a dans l'équipe, mais bon. Eh, c'est l'elfe sus. Monstre, allez. Quoique des bananes, c'est vrai qu'on en avait besoin. Bon, on va refaire le niveau si Valou s'est pas réveillé. Fais attention aux Ender Creeper. Quoi? Ah, c'est ce que j'ai dit dans... Ça existe pas les Ender Creeper en vrai. Parce que c'est ce que j'ai dit dans Minecraft, la vidéo, mais je voulais dire les Ender... les Endermen, c'est comme ça que c'est. Si? Je sais plus. Les pattes de chat, au fait, tu les mettras quand? Ah, bah, faut que j'y pense. Mais bon, après, je les ai déjà aussi suffisamment portées, non? En vrai, c'est incroyable, la brancheur, si tu le fais en live, je pourrais te coacher. On verra, on verra. Mais effectivement, Mascou, il n'y a pas un 2 qui doit sortir, là? Sur quelle console il sort? Plus vite que le vent, si tu veux. Pourquoi on n'avançait pas, là, sur la map? Parce qu'il y avait la bulle. Et elle mettait du temps à disparaître. Il y a un 2, mais il est déjà sorti ou il va bientôt sortir? J'ai vu un trailer, mais c'est pourquoi c'est sur Switch qu'il va bientôt sortir, non? Ah, Mora, il est pas content! Ah, ça saoule. Voilà, une nouvelle dispute. Oui, LGBT Power, oui. Quoi? Un combat éprouvant, c'est ça. Les ennemis, ils ont même pas le temps de vous attaquer. Que vous trouvez ça éprouvant? Bah dis donc, quand on va être contre des vrais boss, je sais pas comment ils vont faire. Faut pas que je refasse le niveau pour avoir les bananes. Sinon, il y aura pas de combat. Et donc je pense qu'il pourra pas se... Ouh, nickel, nickel. Alors, Valou, tu vas retourner avec le cheval. Merci et... Enfin, bienvenue Evoliform. Il y a plein de gens apparemment qui ont oublié. Déjà, Zoé. Non. Mais j'ai pas compris ta méthode, Kinimomo. Et ta méthode pourquoi d'ailleurs? Non, c'est bon. Ok, et Valou. Alors, il veut un truc. Oh yes! C'est quoi ça? 210! Et mais franchement, heureusement qu'il n'y a aucun ennemi qui l'attaque. Oh punaise. Parce que si un ennemi l'attaquait, genre, il mourrait bien en un coup, c'est obligé. Allez, vas-y! Te trompe pas, hein! A plus, Fire Kimi! Yes! Une épée de dragon noir, mais il n'y a rien de noir là-dessus, genre, il y a du bleu et tout. En tout cas, ça va faire grave des dégâts. T'es abonné à tout, monsieur Richard? Genre TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Je te crois. C'est quand que tu avais commencé le Kawash 1? Quand il est sorti, mais je sais plus quand c'est. Oh non, pas encore lui. Ça va nous permettre d'aller à un coffre. Alors allons-y, let's go. C'est parti les amis. Je sais qu'on peut y arriver. Vas-y. Bonto des coffres. C'est là où faut repérer le bon coffre. Et après ils vont genre... C'est parti. Ouais, ils sont un peu mous là. Hein. C'était un peu mou de la queue tout ça. Voilà, c'est bon. Vas-y. Très bien. Ça va et toi, Louis? J'ai gagné combien? Beaucoup. Le sac, il est énorme. On pourrait mettre un cadavre dedans. Donc, Il y avait le cadavre de 5 bananes, effectivement. Super. Tu vas tester League of Legends? Je n'ai pas besoin de tester League of Legends. J'ai testé League of Legends il y a au moins... J'avais 16 ans, donc il y a 13 ans, bientôt 14, j'ai testé League of Legends. Et j'ai pas aimé. Donc voilà, j'ai testé League of Legends à une époque où certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Donc ne me demandez pas de le tester. Slime en chair 2, c'est bien PC en 2022, d'accord. Mais punaise! Et mais par contre, ils veulent donner que à Valou. Bon, une abeille verte, c'est bizarre, mais comme j'ai dit, on met en vert ou rien. C'est quoi ma série Mario favorite? Super Mario Bros.
Pas Mario 3D, hein, Super Mario Bros, les 2D. Allez, réconciliez-vous. Oula, il y avait son dos qui ressortait, ta gueule, Siri. Eh mais Siri, là, vraiment, je me fais harceler. C'est le harcèlement de rue, c'est Siri. Avalou ne veut rien, bon, tant pis. Attendez, quoi? C'est rare. Essayons d'abord le normal. Ok. Ça, le petit os sucré. Ah! Dommage. C'est bon, je n'ai plus de vivre. Les Super Mario Bros, ils sont géniaux. Géniaux! Géniaux! Mais oui. Elles sont trop mignonnes, ton emoji Shiba. Je sais pas d'où elle sort, mais ton emoji Shiba Evoliforme, elle est trop mignonne. Trop mignonne, trop mignon, trop mignon. On s'en fout. Et salut Evoliforme. Bah non, je suis en train de te parler, non. Je vais dire salut PikaCity59. Mario World inclus. Oui, Mario World, c'est clairement pas mon préféré, mais c'est quand même un bon jeu. Et en plus de ça, on m'a dit la série. La série que je préfère, c'est pas forcé que j'aime tous les jeux dedans. Enfin, je les aime tous. Mais certains moins que d'autres, forcément. Celle de Rayton, je connais pas, mais ok. Oula, ce niveau, ça va être insupportable de le finir à 100%. Bah peut-être pas, parce que la zone, elle va peut-être disparaître après. Ce serait bien. Non, mon jeu préféré, Mario, c'est pas Mario Hotel. Je n'y ai jamais joué. J'attends d'y jouer, ça se trouve, ça le sera, hein, vous imaginez. Je vais revenir vous voir et je vais dire, bon, j'ai une confession à vous faire. Mon Mario préféré, c'est Hotel Mario. Pour son humour. Non, l'humour, c'est vrai qu'apparemment, il est bien. Pour son gameplay, ses graphismes, sa musique. Je vais acheter le vinyle Hotel Mario. Oui, cheval, renaclement. Oula, ils ont l'air un peu forts ici. Valou n'est pas très utile dans cette zone. Quoi? Oh non! Le soigneur, il est inquiet. Aïe, 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 aïe. Je te MP ma méthode pour fermer les relations avec le cheval, mais c'est long. C'est difficilement pour polluer le chat si tu veux. Si tu veux, mais. Mais ok, si tu veux. Vas-y, on le sort de là. Bon là, j'espère que Valou, il va gagner beaucoup d'XP quand même. Ils ont l'air assez balèzes. Enfin, ils étaient balèzes. Enfin, balèzes. Ah, ils m'ont pas posé beaucoup de problèmes. Mais quand même, c'était un peu long, quoi. Vas-y, attaque montée. 373. C'est le dernier live de Mythopia? Pas du tout. Le dernier live, ce sera quand on aura battu le vrai, vrai, vrai boss. Quoi, il a gagné un niveau? Mélodie curative. Je veux une douce mélodie magique qui redonne des PV à tous les équipiers. Ça soigne aussi l'elfe. Oh ouais, d'accord, ok. Mascou veut un sub, mais non, non, t'as déjà un sub, tu veux l'offrir à qui? Un des pires jeux Mario à cause de Philips. Ouais, Hotel Mario, c'est un peu ça, ouais. Wouh! Comme ça, ça va faire beaucoup de visages, ça va pas être très dur, je pense. Bon, attaquer là, non? Oh, Mathieu! Oh là 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 là, relation qui augmente, c'est bon. On est niveau 13, on est content. Tu préfères Mario Luigi, Paper Mario ou Mario RPG seul? Paper Mario. Paper Mario, de loin. De très très loin. Il n'y a aucune comparaison pour moi. Ok, comme ça, il passe au niveau de relation. La vidéo fausse fin de WarioWare. Vas-y, Evoliforme à plus. Enfin, c'est la fin de l'histoire. Même si après, il y a encore un truc qui se passe. Ah, le rageux du Blade. Ok, d'accord. Oh, 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 oh! Flèche dansante. Ah oui, c'est bien ça. Ça fait danser les ennemis. Oui, enfin, ce serait mieux que ça attaque tout le monde plutôt qu'un seul, mais bon. En plus, il a attaqué quand même, donc super. T'avais adoré le manoir hôtel de Color Splash. Oh oui. Non, mais le scénario de Color Splash, il était trop bien, c'était trop drôle. Le gameplay du jeu me saoule à un point. Vraiment, pour moi, c'est le plus mauvais Paper Mario au niveau du gameplay. Mais alors, l'histoire, l'humour et tout... Enfin, l'histoire, on s'en fout, en fait. L'histoire, elle est pas ouf. Mais les dialogues, l'humour et tout, c'est vraiment trop cool. Puis bon, le jeu est magnifique aussi. Ça, c'est clair. Le prochain live de Vika Watch, ce sera la semaine prochaine. Ou peut-être dimanche. Dimanche, normalement, je reviens chez moi à 15h. Donc, il y a moyen que ce soit dimanche. Si je reviens suffisamment tôt, on fait dimanche. Vas-y, niveau 14... Tu feras un Splatoon, j'ai déjà fait tous les Splatoons en vidéo. Et même en live, chacun des deux. Oh, c'était un piège! C'est moi, les étoiles sont encore plus présentes aujourd'hui. C'est-à-dire... Tu pourrais classer les Mario RPG. Pff, trop compliqué, trop compliqué. En plus, ils ont pas grand-chose à voir, finalement.
Comparer les Mario, Luigi et les Paper Mario, c'est un peu compliqué. Parce que les Paper Mario, en plus, ça fait 3 opus maintenant que c'est plus vraiment des RPG. Donc c'est compliqué comme question. Et j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Faudrait qu'un jour... on fera une tier list peut-être un jour, si vous voulez. Faudrait un jour qu'on fasse un live où on fera des tier list des jeux Mario. Genre les meilleurs Super Mario Bros, les meilleurs Mario RPG, les meilleurs Mario Party, etc., etc. Faudrait qu'on fasse ça un jour. Genre un live où on joue pas du tout, on fait juste ça. J'ai vu qu'il y avait une pub qui avait été demandée, hein. Merci Johan Herrera. Let's go. Voilà, voilà. Non, j'attaque, vas-y. Ok, c'est bon, elle est diffusée, là. Je fais des lives Rostar, non jamais. Non jamais, je n'en referai plus. Ah. Oui, vas-y, réessaye. Raté deux fois. Un peu dommage. Le meneur de Sticker Star ou de Color Splash? J'ai plus souvenir de celui de Sticker Star. Je préfère Sticker Star que Color Splash. Mais j'ai oublié le manoir. En même temps, il est plus court, je crois. Parce que dans Color Splash, le manoir, c'est littéralement un chapitre entier, presque. Alors que dans Sticker Star, c'est une partie du monde de la neige. Donc, je m'en souviens plus trop. J'aimerais bien refaire Sticker Star. En vrai, s'il y a un patch de traduction mauvaise comme Pomper Mario, on le fera. Ouais, je me souviens qu'il y a le bout où ils sont tous empilés. Ça, je m'en souviens. Mais je me souviens des combats. Mais je me souviens plus du manoir en soi. Oui, j'aime bien Zelda. C'est trop cool, Zelda. 3 pubs. Eh oui, monsieur Richard, mais tu es Prime. Donc, il faut devenir sub. Pour pas voir les pubs. Et voilà, Valou. Il va enfin devenir niveau 3. Avec le cheval, trop nul. J'arrêterai quand il sera niveau 12, hein, comme je fais avec les autres. Le chat en émote a été demandé. Je sais pas s'il y a toujours des modos ici, donc je le mets. Attendez, qui est en dispute là? Kaji et Dedley? Ouais, mais... Vas-y, on va régler la dispute. Ouh, ça c'est stylé. C'est trop beau, hein. Salut Ryan, ça va? Ah, il y a du vert, mais je sais pas où il est sur sa combinaison, hein. Moi, je le vois pas vraiment, son vert. Pas mal. Ah oui, non, on a dit lui, non. Ouais, toi, vas-y, vas-y. Ça fait longtemps qu'on t'a pas acheté de trucs. Bon, tant pis. Vas-y, Valou, mange ça. Aïe. Faut bien qu'il n'aime pas des trucs. Et ça, les protéines, c'est vrai qu'il aimait bien, je crois. Enfin, lui avait donné du niveau supérieur, mais c'est pas grave. Vraiment, la classe des elfes, je la trouve cool. En plus, elle a l'air d'être pas mal polyvalente. Enfin, on verra bien après ce qu'elle va devenir. Un jour, il faudra aussi qu'en live... Ouais, non, ça va être trop long de faire ça. Parce qu'en vrai, vu qu'il n'y a que Kirbeno qui peut faire la super attaque avec le cheval, j'aimerais bien le changer de classe des fois pour voir ce que ça donne. Mais le temps d'avoir des attaques montées, ça va être compliqué. C'est vrai que par contre, ce que je pourrais faire, c'est... Ah, il est déjà niveau 21. Ce que je pourrais faire, c'est lui mettre les classes qu'on lui avait déjà données avant. Je pourrais, en effet. Allez, allez. Parce qu'elles sont à un niveau combien? 9, 10, 11, un truc comme ça. On verra plus tard. Parce que j'aimerais vraiment voir à quoi ressemblent les autres attaques montées. Après, ça paraît un peu logique finalement que les autres persos puissent pas l'avoir. Parce que, genre, bah, ce serait compliqué qu'il soit toujours... Enfin, pour l'utiliser, il faut qu'il soit au max de PM. Et donc, effectivement, ça n'arrive pas souvent. Nickel, nickel. Bon, par contre, Valou, il augmente pas niveau aussi vite que je le voulais. Je pensais qu'il serait niveau 20 avant la fin de cette zone. Et en fait, il y sera pas du tout, hein. Il sera peut-être pas très loin, quoi, mais il sera 17, un truc comme ça. Ok, rien ne t'inquiète. Moi, Sticker Star, c'est mon Paper Mario préféré. Et en plus, un de mes premiers jeux, en plus, je l'ai refait et terminé avec le musée à 100% il n'y a pas longtemps. GG. Il est vraiment cool, Sticker Star. Hein. Je pense qu'il a été injustement jugé à sa sortie. C'est pas je pense, c'est j'en suis convaincu. Tu vas attaquer qui, là? La bombe? Yes. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, il est même pas mort. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez retiré le chat en émote? Ok, merci. Salut, ZozoGame29. Il augmente même plus de niveau. Même plus à chaque combat. Trop triste.
T'as plus que 255 étoiles, t'as tout dépensé dans le screamer Freddy. Mais oui, tu les utilises tout le temps, gamer couleur, voyons. Ah ouais, même le blob allait le tuer si jamais il l'attaquait. Ah ouais, d'accord, pauvre Valou. Mais heureusement qu'il a Kaoui quand même comme pote, hein. Genre, il lui sauve la vie à chaque fois. Oh, t'as pas raté grand-chose, Issa. On n'est pas encore à la fin de la mission. Attention! Nickel. Je me lag, j'ai encore utilisé la salière pour rien. C'est ma malédiction! Mais comment j'aurais pu le savoir? C'est ça le problème. Comment j'aurais pu le savoir? Y'a pas Evan. Ah non, il était là hier, mais pas aujourd'hui. Ok. Tu fais quoi? Oh merci, c'est gentil. J'avais perdu des PV. Il fait plus 3 points de dégâts, maintenant il en fait 5. Merci Valou. Oh non, pas prise en étau, mais sûrement pas sur ça en plus. C'est quoi cette histoire? Je sais que je suis formidable, je sais. Ok, c'est bon, il en reste plus qu'une. A plus, Yanendo. ...160 points de dégâts. Alors ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire contre les boss. Mais ça n'arrive malheureusement pas contre les boss. Putain, j'ai jamais vu une attaque qui a fait autant de dégâts. Vas-y, Blopsy, vas-y, je vais me pisser dessus, c'est obligé. Oui, dans Color Splash, les Toads, ils sont trop drôles. Ok, niveau 21, je laisse de leur côté, puis ils augmentent leur relation, comme ça, tranquille. Valou ne veut rien, dommage. Pourquoi Valou est une waifu? C'est pas une waifu, voyons! C'est un elfe. Bon, on l'a déjà eu 20 000 fois cette cinématique, donc ok, on passe à la suite. On a à bouffer? Non, même pas. C'est pas courant. Allez, on se taille. Tu comptes refaire des streams avec Noy? Pourquoi il y a un astérisque? Mais ouais, s'il vient un jour. Ou peut-être à DBD? Peut-être. Alors, ça va être quoi ce boss? Ah, ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça! Oh, mais c'est même pas le même dragon, en plus, si! Ça doit être un dragon encore plus fort. Valou, on ne te protège pas, de toute façon, t'es nul. Non. Yo, Shzdo 123, je sais même pas comment ça se prononce, mais... Ouais. Ah, il a beaucoup de défense en plus, le rat. Vas-y. Prise en étau, ça c'est très bien. Ok. Oh non. Oh, bah ça va. On va le battre facilement, vous avez vu? Il a déjà perdu tellement de vie. C'est bon. Ça va être tranquille. Par contre, Valou, bah ça c'était obligé, hein. Comment oses-tu? Vengeance. Et pas mal. Je m'y attendais, Bloops. Tu me l'avais dit, de toute façon. T'aurais pas dû me prévenir, voyons. Bon, c'est quand que... Kaoui... C'est bon, parfait. Ouais, le dragon rouge, ça va être tranquille. Et Valou, il va gagner beaucoup de niveaux, par contre. Ok. Refait, non? Il attaque à nouveau ou pas? Ok, très bien. Ah ouais, mais c'est bon maintenant, je suis prévenu, donc ça ne me fait rien. Quelqu'un peut m'expliquer le VIP? Allez-y, expliquez-lui le VIP. Y'a Evan qui est là? Salut. Non, rappel. Bonne nuit, l'orage du bled. À demain. Il est trop nul ce dragon, voyons. Aïe. C'est quoi la blague du papier? Je connais pas. Tu veux 50 000 étoiles? Ouh, bah oui, tu peux, mais... Il faut être là à tous les lives, c'est très long.
C'est ouf que le boss de cette quête, ce soit un cheval qui est plus facile à battre que genre... Enfin, pas le cheval, mais le dragon. Que les dragons... Enfin, que le dragon qui était pourtant même pas un boss dans... quand on a voulu avoir l'elfe. Ça, c'était vraiment dur. Et voilà, niveau 18. Flèche enchantée. Frappe un ennemi de ses deux doigts avec des flèches de lumière magique. Rien que ça, rien que ça. Niveau 19? Ah non. Non, non. C'est quel Freddy? Comment ça? 17 000 gold, voilà, ça c'est cool. Ça, ça me fait mal là. Pourquoi personne fait quoi, Waxy24? De rien, gamer couleur. Bah, bon courage avec ta maladie. Un peu chiant, mais du moins que ce soit pas Valou, ça va. Bien, 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 ouais. Oh, très bien, très bien. Ils vont se réconcilier. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires du live qui a dit la dernière fois que c'était impossible de refuser une réconciliation, que Lémi refusait jamais une réconciliation. Pourtant, j'étais sûr que si. J'étais sûr que ça m'était arrivé sur 3DS, mais j'ai dû me tromper, si c'est possible. Vas-y, en attendant. Yes, Valou, vas-y. Un arc mécanique. Mais enfin, merci, ça, bah après, les modos, c'est la moindre des choses quand même, je trouve, mais... Salut Netrox! Ils peuvent refuser? Mais moi, il me semblait que je les avais déjà vus refuser. Mais on m'a dit en commentaire que non. Après, bon, des fois, les abonnés mentent. De toute façon, là, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui me ment. Donc, il y a forcément un abonné qui me ment dans le tas. Lequel, je ne sais pas. Vas-y, on va mettre Moha. C'est une gastro que j'ai par contre. Oui, bah oui, enfin c'est quand même chaud une gastro. Bon courage. Je vais être pas. J'espère que je vais pas être obligé de faire la quête de Luigi. Hein. Punaise. Il me force à faire la quête de Luigi. Pour avoir la suite. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah Ryan, tu me suis quand même sur mon PV, y a pas grand monde. Donc bon. On va à Néolumia après, ça fait une heure de live. Donc ouais, quand on aura fait la quête de Luigi, on va pas forcément faire Néolumia. On va voir quel est le niveau demandé. Et après on avisera. Parce que eux, y'a moyen qu'ils donnent beaucoup d'XP, non? Pourquoi je réponds jamais au DM? Oh, parce que j'ai pas le temps. Ça va être aussi des Wings sur les combats normaux là? Je sais plus. Oh, il y a un raid là? Non. Pourquoi ça s'affiche pas dans le chat? Et on voit pas sur l'écran, c'est trop petit! Enfin, il s'est passé un truc, mais je sais pas ce que c'est. Parlons peu, parlons bien. Moi aussi! C'est pas la réponse adaptée. Soit que Link on Twitch? Merci. What? C'est quoi ça? Ça sort d'où? Un Bouing nocturne, ça existe ça? Ah ouais? Ah ouais? Ça a l'air rare, non? Ok, bah au moins je l'ai buté. Et ça donne quoi le Bouing nocturne? Je finis le live à 22 h. De l'XP. De l'XP, des pièces, ok, c'est bizarre. Pour l'event Fortnite, je m'étais endormi. Désolé. Tu viens de Corbeil-Essonne, Netrox, d'accord, ok. Ok. Encore? C'est un peu nul, ça donne qu'un seul visage, ça donne pas beaucoup d'XP, ça donne pas beaucoup d'argent. C'est tout pourri, ça. Ok. Bon, on est à bientôt à 2300 visages, donc bon, il ne se passe pas que des choses mauvaises. Je reste jusqu'à 22 h demain, j'ai juste 10 h et 11 h de cours. Pas mal, pas mal. VIP, tu as le chat abo, je sais pas. Si je répondais à ça, je pourrais dire une bêtise, donc je préfère ne pas répondre. Vas-y. Ah, oh, ça c'est trop moche. C'est trop trop moche.
Ok, tu la jettes maintenant, comme ça on va en être vite débarrassé, j'espère. T'as intérêt à me demander une nouvelle tenue rapidement. C'est trop pourri, c'est trop horrible. Oui, tout à l'heure t'avais pas voulu l'acheter. Ah, j'avais peur qu'il se trompe à chaque fois. Bon, ah aussi on peut lui acheter un truc, non? Allez, allez. Les gens avec qui je joue, enfin qui sont dans mon équipe, on leur achète des trucs. En plus, c'est classe, ça. Ouais, ça change de son vêtement, on sait même pas d'où ça sort. Genre, il était habillé comme Arthur, on aurait dit. Saint-Titure, il met des trucs comme ça, genre nœud papillon, bretelles, tout ça, il aime bien. C'est son style, moi j'aime pas, mais c'est son style. Les tenues à pois, on dirait des tabliers de bébé. Bah, on pourrait dire ça, sauf que le problème, c'est que c'est pas juste là, en fait, c'est sur tout le vêtement. Si c'était juste un tablier, ça irait. Tu as le logo étoile rose? Comment ça, le logo étoile rose? Pourquoi? Bah, je voulais aller voir lui, parce que lui, il va me donner de l'XP, normalement. C'est quand le live vidéo Yuka Watch 2? La prochaine vidéo, c'est dimanche, elle est finie. Et le prochain live, c'est... oh, mince. Le prochain live, ce sera peut-être dimanche aussi. Ça dépend si je reviens suffisamment tôt chez moi. Tuez-le avant qu'il se barre, pitié! Yes! Ok, on va gagner quoi? 2000 points d'XP? C'est un peu nul par contre ces trucs là, j'aurais préféré un méga rare là. Ouais, 2000. Super. On va pas tous les faire, hein. Après on va foncer au boss. Le logo diamant rose. C'est quoi le logo diamant rose? Ah, le logo VIP! Le logo VIP, on peut pas le changer. Enfin, je sais plus quelle était la question en rapport avec le logo diamant rose, je sais pas quoi là, mais on peut pas le changer ça. Trop bizarre, les Bling Nocturne, on n'avait jamais rencontré, là on en a plein. En fait, je pense que c'est la version évoluée des Bling aquatiques, non? Parce qu'il y a les Bling verts, ensuite les Bling aquatiques et ensuite les Bling Nocturne. Je sais pas s'il y en a après, mais voilà, ok. Tu vas bien? Oh, Kaji! Oui, ça va, ça va. C'est bien tes vacances. Sinon, Kier, c'était bien mes vacances avec l'argent des subs. Tu veux dire mes vacances ou tes vacances? Ah, ta cour de religion, Ryan. Ah, ça, c'est ouf. Vraiment, en Belgique, trop bizarre que vous ayez encore des cours de religion. Ça me paraît pas normal. Mais après, c'est parce que vous n'êtes pas totalement un état laïque, si. Enfin, vous avez la liberté de religion, mais vous êtes quand même un état chrétien, catholique, je sais pas. Ah, mes vacances, c'était très bien, Netrox, très bien. J'ai pensé à vous, durant beaucoup de moments. Allez, ce serait bien que Mora ne meure pas, quand même. Bling Super Saiyan après. Yes! Niveau 13. Relation naissante. Quand c'est niveau 13, c'est plus naissant. Hein. Surtout qu'il y a des contrôles de religion alors que c'est très subjectif. Après, ça c'est pas une raison, Ryan. Parce qu'effectivement, genre la... en France, on fait bien de la philo. La philo, c'est aussi un peu subjectif et on a des contrôles de philo. Donc tout ce qui est un peu libre, créatif, c'est subjectif, comme en art aussi. On a des cours d'art et pourtant l'art c'est subjectif. Après, qu'est-ce que tu veux dire par là que la religion c'est subjectif? Hein? La religion c'est pas censé être subjectif. Enfin, quand il y a des interprétations, oui. Mais normalement c'est pas censé être subjectif la religion. C'est censé être des règles strictes de... Enfin, c'est censé être des règles de la société, il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Enfin, toi, ça se voit que tu n'es pas croyant. Effectivement, quand t'es pas croyant, tu peux dire que c'est subjectif. Mais du point de vue d'un croyant, la religion n'est pas subjective. La vie, les lois de Dieu, la façon dont il a créé le monde, dont la société existe, et continue, c'est pas des trucs subjectifs. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est objectif de son point de vue. Pourquoi j'ai encore changé ma PP YouTube? Je sais pas, la Palmon est fine depuis longtemps, donc voilà, je remettrai l'année prochaine. Mais le problème, c'est que dans ce cours, ça parle de toi. Que penses-tu du mot religion? Ah ouais, mais alors ça, pour le coup, c'est plus vraiment de la religion. Enfin, genre, c'est de la philo, en vrai. Donc, après, je trouve ça un peu compliqué, quand même, de vous demander ça à votre âge. Genre, même, je suis même pas sûr que ce soit des sujets qu'on pourrait poser en philo, en terminale. Ça me paraît compliqué comme sujet. C'est un sujet philosophique, ça, pour le coup. Mais, ouais, c'est bizarre, quand même, de... Enfin, c'est bizarre de juger comme ça. Enfin, religion. Merci Thomas. Avoir des cours de religion, c'est bizarre. C'est bizarre. Dans tous les cas, c'est bizarre parce que soit ça peut être un endoctrinement
en mode genre pour éduquer les gens à la religion. Et éduquer des mineurs à la religion, je suis et je resterai convaincu toute ma vie que c'est pas bien. Je dis pas que les religions c'est pas bien, bien entendu. Mais les religions, ça devrait être un choix éclairé qu'on demande à des personnes majeures. Et ça ne devrait être jamais imposé à des mineurs. Ça devrait même être strictement interdit de le faire. Mais donc... c'est bon, ça suffit là. Mais par contre, après, s'il y a ces concours de religion, j'ai l'impression maintenant qu'en Belgique, on n'impose plus la religion, genre en cours. Ça dépend de ton prof, mais j'ai l'impression que ton cours c'est plutôt une découverte et une initiation aux religions. Mais genre, c'est plutôt une initiation, genre aux trois religions monothéistes, j'imagine. Parce que vous devez parler probablement de chrétienté, de judaïsme et de l'islam. Mais j'imagine que vous devez pas trop parler de bouddhisme, d'hindouisme, etc., etc. Dis-moi si je me trompe, hein. Mais j'imagine que ça doit vraiment être... Puis même l'islam, vu que c'est un peu touchy d'en parler en ce moment en Europe, vu qu'il y a beaucoup d'islamophobes, j'imagine que c'est surtout du judaïsme et de la chrétienté. Dis-moi si je me trompe, hein. Mais je pense qu'il y a un peu d'islam quand même dans le tas, mais le bouddhisme et l'hindouisme, je pense que vous en parlez pas beaucoup. Alors que l'hindouisme, c'est quand même l'une des religions les plus pratiquées au monde, hein. Vraiment. Mais après, ouais, enfin, c'est plutôt les religions qui ont de l'impact là en Occident, j'imagine. Tu es musulman perso. Il y en a beaucoup maintenant. Enfin, il y en a toujours eu beaucoup, mais il y en a de plus en plus maintenant en France. Mais c'est cool, hein, c'est cool. S'il y a, c'est que c'est ouf parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça n'empêche que vous faites. Enfin, vous êtes de plus en plus considérés comme une minorité qui n'a pas sa place ici. Par la plupart des gens radicaux et qui ont bien entendu tort. Mais voilà, enfin, genre. C'est tout, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais... Vous étudiez la religion grecque. Oui, Emmer Couleur, mais ça, la religion grecque, on l'étudie en cours d'histoire. Parce que la religion grecque, c'est une religion qui n'est plus pratiquée. Il n'y a plus aucun... Enfin, aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il est croyant de la religion grecque ou rome antique actuellement en France, ça va être considéré comme une secte. Donc non, maintenant, c'est plus des religions pratiquées. Il n'y a plus tant de religions que ça qui sont considérées comme des religions pratiquées aujourd'hui en France. Ah, c'était une blague? Bah, c'est pas vraiment une blague. Moi, j'ai étudié la religion grecque quand j'étais au collège. J'ai étudié aussi la religion égyptienne, mais c'est de l'histoire, quoi. C'est plus des cours de religion. T'as aussi appris l'utilitarisme, c'est quoi ça? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Bah, moi, oui. Et toi, le gov? Bon, ils sont relous, par contre, genre... Enfin, ils sont chiants, c'est tout. Ils sont trop nombreux, c'est un peu chiant. L'utilitarisme, je sais pas du tout ce que c'est. Salut Robin Beff. Niveau 20, réanimation enragée. Yes. Enfin, mon meilleur ami c'est Valou. Mais Kaji, ça doit être mon deuxième meilleur ami, je pense. Super, Mora. T'as appris à parler pingouin en science, c'est quoi cette histoire? Ouf. On l'attaque pas souvent, mais quand on l'attaque, ouais, ça one shot quoi. Oh, ok, gamer couleur. Bon, par contre, c'est cool, mais le combat est un peu long quand même. On va foncer au boss. Et après, on va aller à Néolumire. Super, mais je m'en fous de ça. Kirone va finir par mourir à force de se sacrifier pour Valou. Ok, vous attaquez ou quoi, là? En même temps, il n'y a pas de bons attaquants, là. Oh non! Pas une prise en étau pour l'aquatique! J'adore la philo deux heures pour nous dire qu'on a un DM. J'aimais pas vraiment la philo. Enfin, j'aimais bien les cours, mais j'aimais pas les interros et tout. Enfin, genre, c'est trop subjectif. Après, c'est un peu faux que c'est si subjectif que ça. C'est parce que, en vrai, on a un programme et... Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'on nous demande, c'est pas de faire des dissertations sur un peu ce qu'on veut, c'est qu'il y a une question et il faut utiliser les notions qu'on a vues dans le cours. Et donc c'est un peu relou de sortir les trucs du cours, parce qu'en fait t'es pas tout à fait libre de dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux en philo, enfin pas ce que tu veux, mais ce que tu penses réellement, mais en vrai si tu le fais, t'es souvent hors sujet. Donc t'es obligé de dire ce que... Enfin de sortir des notions qui sont pas de toi en fait. Genre tu dois sortir Platon, ou l'autre con là, Freud, donc le misogyne.
machine là. Donc, enfin, genre, c'est bizarre en fait de d'essayer de construire ta pensée dans une disserte sur un truc qui te correspond pas en fait. Parce que j'étais pas d'accord avec Freud. Hein. Et t'es obligé au final de sortir des trucs de lui quoi. Donc, mais bon. La philo, c'est la philosophie. Tu verras ça en terminale. Normalement, les programmes ont changé. Je sais pas si tu l'auras, mais bon. Je connais pas un voisin d'enfer. Je sais pas ce que c'est. La rediff, les rediffs c'est mercredi, samedi et dimanche. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sera mise. Ok, non, la première fois qu'il va avoir une interaction avec Akram. Genre tu es dans le train, tu dois faire un choix entre rouler sur un handicapé et une personne sans handicap. Tu choisis pas la personne sans handicap car au vu de la société, elle est plus utile. Ah oui, ça c'est... c'est une version dérivée aussi du problème... The trolley problem, je sais pas comment on dit en français. Il y a un problème de philosophie assez connu. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je vais vous le dire. Attendez. On va juste nourrir Valou avant. Vas-y, Hero Toast. Mais le trolley problème, c'est un truc assez connu. Je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais sinon je vais vous le dire. Ok. En gros, c'est un problème de conscience. Il y a que deux réponses possibles. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un train qui arrive à toute vitesse. Vous êtes la seule personne qui voit ce train arriver et vous avez un levier devant vous. Il n'y a personne d'autre, hein, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre arrive. Le train ne peut pas s'arrêter, il va beaucoup trop vite. Ce qu'il y a, c'est que si le train continue sa route, il va rouler sur 5 personnes. Genre, il y a 5 personnes qui sont sur la voie. Vous ne pouvez pas les alerter, vous ne pouvez pas leur dire de s'en aller. Ils sont trop loin. Donc, si jamais le train continue sa course comme ça, il va tuer 5 personnes. Sauf que vous avez un interrupteur devant vous. Et si vous appuyez sur ce levier ou cet interrupteur, on s'en fout. Eh bien, le train, ça va le dévier. Il va aller sur la voie secondaire. Et sur cette voie secondaire, il y a une seule personne. Donc, le train va la tuer, forcément. Mais elle tuera qu'une seule personne au lieu de 5. Et donc là, en fait, c'est le problème, c'est qu'est-ce que vous feriez à la place de cette personne. Parce qu'en gros, si vous dites, c'est pas mon problème, je fais rien, il y a 5 personnes qui vont mourir. C'est obligé, il n'y a pas d'autre choix. Si vous appuyez sur le bouton, il n'y aura plus qu'une seule personne qui va mourir, sauf que pour le coup, c'est vous qui aurez appuyé sur le bouton. Donc quelque part, c'est un peu vous qui l'aurez tué. Mais bon. Une personne, c'est moins que 5 potentiellement. Les gens qui sont sur la voie de 5, bah genre en gros, ils ont probablement des familles, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont être tristes de leur mort, alors que l'autre personne, bon, il a probablement aussi une famille, ça va être triste, mais il est tout seul. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le bouton et vous vous rendez indirectement, ou même presque directement, responsable de la mort d'une seule personne, ou vous ne faites rien. En fait, c'est ça, en fait, la question, c'est. Si vous appuyez sur le bouton, vous êtes directement responsable de la mort d'une personne. Quelque part, vous l'avez tué. Vous n'irez pas en prison pour ça, mais quelque part, vous l'avez tué. Par contre, si vous n'appuyez pas sur le bouton, vous êtes indirectement responsable de la mort de 5 personnes. Voilà, voilà. C'est une question un peu compliquée, donc... c'est... Il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Genre chacun a sa version différente de... Enfin chacun a sa version différente. Chacun réagit de façon différente. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Genre vous pouvez répondre ce que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise réponse en soi. Yes, on va gagner plein d'XP pour Valou, ça c'est cool. Si on n'appuie pas, on ne sauve pas 5 personnes. Vous pouvez prendre le problème aussi de cette façon. Si vous n'appuyez pas, vous ne sauverez pas 5 personnes. Allez, faut qu'il meure. Yes! On va avoir gagné genre 60 000 points d'XP, non? Bah si c'est bien pour toi, Waxy, tranquille, mais moi je trouve que c'est pas quelque chose qui devrait être fait. Après, les gens le font, c'est comme ça. Moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais après, voilà, bon, je t'en veux pas, j'en veux pas à tes parents, c'est comme ça. Protection Sylvestre, place une barrière magique devant un équipier pour réduire ses dommages. Ok, j'imagine... On a eu 92 000 de bonus. 92 000 points bonus. On a eu plus de points bonus qu'on en a eu dans le combat, là. C'est un bug ou quoi? Ça arrive? Bah déjà, à l'école, c'est clair que ça devrait pas se faire. Dans la famille, bon, c'est un truc un peu plus privé, donc ok. Mais même, je suis pas tout à fait... Après, ça, on peut en discuter, d'accord. Dans l'école, ça c'est sûr que non, c'est pas bien. Mais après, à la maison, bon. Bon.
qu'il y a, c'est qu'en fait, de mon point de vue, hein, après, chacun son point de vue, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de problème avec le fait que des gens soient croyants. Moi, je suis pas croyant, donc de mon point de vue, ça me paraît être une fiction, mais d'accord, je veux bien que des gens croient, enfin, genre, j'ai aucun problème. Si les gens, ils se sentent bien en étant croyants, il y a aucun souci, tant mieux pour eux, hein, au contraire, c'est pas qu'il y a un souci, c'est même très bien, c'est même très très bien. Il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie et qui s'en sortent grâce à la religion, donc tant mieux, tant mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que la religion, ça devrait être un choix éclairé. Et un choix éclairé, on ne peut en avoir conscience que quand on est complètement libre de son choix et que, genre, on peut avoir... Enfin, pour avoir un regard critique, il faut... faut que, à l'âge où tu as un esprit critique, eh ben, tu sois conscient d'à peu près tout ce qui existe, tu vois. Alors que pour moi, quand, par exemple, tu nais dans une famille chrétienne et que dès que tu es tout petit, on te dit... ben, la chrétienté, la Bible, c'est vrai, c'est la vérité. Ce qu'il y a, c'est que après, quand t'as 15 ans, et qu'on te montre l'islam, ou qu'on te montre le judaïsme, ou qu'on te montre le bouddhisme, et ben genre, tu te dis, bah ouais, mais c'est faux, c'est forcément faux, vu que la Bible, c'est objectivement la vérité. Point. Et je trouve pas ça bien, en fait. Parce que genre, ça doit être ton choix. Quand t'as pas forcément 18 ans, quoi, mais quand t'as 16 ans, tu devrais pouvoir avoir le choix de choisir la religion qui te convient le mieux par rapport à... Enfin, après, en ayant vu un peu toutes les religions. C'est pour ça que si tu décides de te convertir à l'islam quand t'as 16 ans, aucun problème. Tu décides d'être bouddhiste à 16 ans, aucun souci. Mais je trouve que quand t'as 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même 8 ans, je sais pas... Enfin, commencer à être dans une religion, je trouve que c'est pas bien du tout parce que... T'es pas conscient des autres religions, t'es pas conscient aussi qu'il puisse exister aussi une alternative où tu n'es pas religieux et où tu ne crois en aucune religion. Et donc pour moi, je trouve que ça paraît normal que bah, le choix se fasse en étant à un âge où t'as un esprit critique, en ayant vu à peu près ce que c'est que les religions et ce que c'est que de ne pas être religieux. Qui a dû porter un voile à Dubaï ? Non, déjà je suis pas une femme et en plus bah, les femmes sont pas obligées de porter un voile. Les musulmanes le sont, mais les touristes, il n'y a aucune touriste qui porte, enfin quasiment aucune touriste qui portait le voile. Hein. En vrai, là-bas à Dubaï, c'est vraiment tranquille. Hein. Genre les femmes, elles étaient même en jupe et tout. Quand t'es touriste, il n'y a aucun problème. Après, même quand t'es pas touriste, normalement, il n'y a pas de problème. C'est quand t'es musulmane que tu dois suivre les règles de l'islam. Mais quand t'es pas musulmane, il n'y a aucun problème. C'est pas si dur que ça, Dubaï, au niveau des règles de l'islam. Hein. C'est pas l'Afghanistan. C'est pas l'Iran. En Iran, je crois que c'est obligatoire aussi. Mais Dubaï, non, ça va, c'est tranquille. Heureux, c'est crétin. Enfin, c'est tranquille sur certains trucs. Ça n'empêche que... Ah, merci, c'est crétin. Je lance la pub. Ça n'empêche quand même qu'à Dubaï, l'homosexualité est passible de 10 ans de prison, je crois. Ça dépend des régions aux Émirats Arabes Unis. Il y a des Émirats où c'est la peine de mort. Il y en a où c'est les 100 coups de fouet. À Dubaï, je crois que c'est 10 ans de prison. Donc voilà, ça, sur ce truc-là, ils sont un peu moins cool. Il y a aussi le fait que tout, enfin comment, toute relation sexuelle en dehors du mariage, que ce soit homo ou hétéro, c'est la prison ou c'est le coup de fouet à Dubaï, je sais plus. Donc ouais, il y a des trucs sur lesquels ils sont quand même assez difficiles, mais ça n'empêche que non, les femmes ne sont pas obligées de porter le voile. On peut consommer de l'alcool. L'alcool est interdit en islam, mais à Dubaï, il y a beaucoup d'alcool. Il n'y a pas de drogue, enfin il y en a, mais c'est interdit. La cigarette, l'alcool, tout ça c'est autorisé. Après, quand t'es musulman, tu dois pas le faire. Mais oui, c'est autorisé. Après, c'est difficile d'avoir un pays touristique dans lequel tu appliques les règles de l'islam. Strictement. Après, quand t'es musulman, tu fais ce que tu veux. Enfin, non, au contraire, tu fais ce que l'islam te dit. Enfin, ce que le Coran te dit. Salut, Kezia. Mais en vrai, quand t'es touriste, tu fais quasiment tout ce que tu veux. C'est incompatible avec le tourisme de masse, en fait. Genre, il me semble qu'il y a aucun pays touristique qui applique des lois difficiles, enfin des lois, enfin qui applique vraiment la charia, ça me paraît, enfin pour tout, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué de le faire, c'est juste que les touristes après ils viennent pas, parce que les touristes quand ils viennent en vacances à Dubaï, ils veulent boire de l'alcool, les meufs elles veulent pas s'habiller avec un voile, sinon elles vont ailleurs. Donc voilà. Kiev, que penses-tu de ce qui se passe en Afghanistan? Bah, qu'est-ce que je pourrais en penser de ce qui se passe en Afghanistan? C'est terrible.
Enfin, genre, c'est terrible, mais c'est une guerre de plus que les États-Unis ont perdu, quoi. Comme s'ils en avaient pas déjà perdu assez. Mais bon, bah, c'est terrible. C'est terrible pour les femmes, c'est terrible pour les minorités, c'est terrible, mais bon, enfin, c'est comme ça. Tu peux répéter, il y a la pub qui gâche tout. Qu'est-ce que vous avez pas entendu? Je disais que Dubaï, c'était tranquille, que les femmes, il y a des femmes qui ont le voile intégral, il y a, la polygamie, tout ça, c'est autorisé, mais ça n'empêche que les femmes, elles peuvent y aller, enfin, elles sont pas obligées d'être voilées quand même, c'est juste que celles qui sont musulmanes le font, mais les femmes sont pas obligées d'être voilées, les touristes, elles sont en jupe, elles ont pas de voile, etc., il y a aucun problème. Je disais aussi que l'alcool, on pouvait en consommer, parce que c'est un pays touristique, voilà, et qu'on peut pas appliquer strictement la charia dans un pays touristique, sinon les touristes ne viennent plus. Je crois que j'ai dit ça. En résumé, j'ai dit ça. T'as l'impression que les USA font rien pour les Afghans? Bah, ils en ont déjà fait suffisamment. Et ça n'a pas été très productif, donc... dans tous les cas, fallait bien qu'ils se retirent un jour. Mais après, voilà, enfin, genre, il y avait pas d'autre choix, en fait. Enfin, genre... on ne peut pas... Les États-Unis n'ont pas compris, alors que ça fait quoi? Ça fait 80 ans qu'ils essayent, ça fait 70 ans qu'ils essayent. Nous, il est impossible de mettre la démocratie dans un pays par la force. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. On a bien vu le Vietnam, on a bien vu la Corée, on a bien vu l'Irak, maintenant l'Afghanistan. C'est impossible. Voilà, je sais qu'ils continuent de le faire, mais ça ne fonctionne pas. La pire défaite des États-Unis, oui, ça reste le Vietnam, en effet. Mais bon, c'est tout ça pour dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont gagné aucune guerre, quoi, quand même. Il n'y a plus personne pour les aider. Bah non, enfin, il y aura toujours l'aide humanitaire, tout ça, mais bon. Quand t'es VIP, je crois que t'as toujours des pubs. Hein. Ça va, on a le niveau de faire cette zone, en fait. Tranquille. Bah, malgré qu'on ait Valou dans notre équipe, qui est pourtant pas un très haut niveau. Bah merci, Zoro Juro Nojutsu. Tu peux résumer la guerre du Vietnam? Oh, je peux... Alors, je vais vous faire un dessin très rapide de la guerre du Vietnam. Le Vietnam, ça faisait partie de l'Indochine. Donc l'Indochine, c'était une colonie française. L'Indochine, c'était Vietnam, Cambodge, Laos. Ce qui s'est passé, c'est que comme, en bon colonisateur que nous étions, c'est pas que le problème de la France, hein, tous les pays colonisateurs ont été mauvais, hein, mais bon. Bref, donc on se comportait très mal. Genre, on était super mauvais avec... avec l'Indochine, genre, c'était un peu nos esclaves. Alors, c'était pas aussi radical que l'esclavage comme il y avait eu avant, mais c'est quand même une forme d'esclavagisme moderne. Donc, en Indochine, la France se comportait très très mal. C'était des sous-citoyens français. Bref, salut Florian PSG. Donc c'était pas bien du tout. Ce qu'il y a, c'est que la France a mal géré la fin de ses colonies, à part le Maroc. Le Maroc, la Tunisie, c'est une colonie aussi, je crois. Bref, le Maroc, on s'en est relativement bien sorti, on a trouvé un terrain d'entente. La Tunisie, je crois que c'était un peu pareil, je connais pas trop l'histoire de la Tunisie. Je pense que les Algériens ici, hein, s'il y en a aujourd'hui, bah, plus Evan Le Geek, vous devez bien savoir que ça s'est très mal passé en Algérie et que ça continue les relations avec la France de mal se passer, hein. L'Algérie aussi était une colonie, ça s'est très mal passé, mais l'Indochine, ça s'est particulièrement mal passé, que en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations communistes, il y avait beaucoup de guérillas communistes, enfin communistes soviétiques, qui se montaient en Amérique du Sud et en Asie du Sud. En Asie du Sud-Est. Et donc, ce qui s'est passé, tout simplement, eh bien, c'est que l'URSS a financé des guérillas soi-disant soviétiques, enfin, soi-disant communistes, donc soviétiques, pour justement virer les Français et faire des réelles, entre guillemets, républiques démocratiques et populaires. Salut, Coco. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, salut, Izem, eh bien, il y a eu les Viet Cong, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. C'est des milices soviétiques qui se sont... enfin, populaires, qui se sont montées et qui ont repoussé, via la révolution vietnamienne, qui ont... D'ailleurs, toutes ces révolutions s'inspirent à l'origine de la révolution française, hein, en quelque sorte, même si... Enfin, ça s'inspire de la révolution d'octobre
en URSS, mais donc à l'origine de la Révolution française, bref, hein, c'est un détail. Ce qui s'est passé, c'est donc qu'en très peu de temps, en très 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 peu de temps avec l'aide des soviétiques, les Français ont été mis dehors, et donc l'intégralité du Vietnam s'est retrouvée sous domination soviétique. C'est devenu un pays communiste, entre guillemets, même si à chaque fois on dit communiste, mais c'est devenu un pays soviétique. Bref, les Américains ont dit, c'est hors de question, les Américains ont dit, il y a assez de pays soviétiques dans le monde, parce que c'était la guerre froide, donc ils ont dit, on ne va pas laisser un pays soviétique de plus. Surtout qu'au même moment, le Cambodge s'est retrouvé aussi communiste, le Laos s'est retrouvé communiste, la Thaïlande a failli devenir communiste, mais heureusement, grâce au roi, c'est l'une des seules victoires qu'on peut lui donner, n'est pas devenu communiste. Salut Admu224. Bref, donc voilà, ça a été la catastrophe, les Américains ont débarqué. Et les Américains ont débarqué au Vietnam en disant non, il est hors de question. En même temps, Kezia, tu dis que c'était des rageux, mais pour le coup, c'était la guerre froide, et ça peut se comprendre, parce que le problème, c'est que c'était pas des pays... En fait, si ça avait fait un pays vietnamien indépendant, ok, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça devenait des suppôts de l'URSS, et ça, en fait, c'était pas tolérable, parce que ça faisait des bases soviétiques en dehors de l'URSS, et donc ça pouvait faire, justement, des bases nucléarisées. Et donc, ça devenait vraiment un problème international, quoi. Enfin, genre, on pouvait pas tolérer qu'il y ait des bases nucléaires en dehors de... Enfin, un peu partout dans le monde, quoi, c'était pas possible. Enfin bon, bref, dans tous les cas, je vais quand même régler la dispute. Dans tous les cas, les Américains sont arrivés. Les Américains, rapidement, sont remontés, parce qu'ils sont arrivés en fait, ils ont débarqué au sud. Ils sont remontés jusqu'au nord du pays, assez rapidement, ça a été assez clair. Et en fait, arrivés au nord, les Soviétiques ont dit « Ah non, c'est pas possible !» Et donc les Soviétiques, ils ont renvoyé du renfort, peut-être avec les Chinois, je connais pas exactement les détails, mais peut-être avec la Chine, qui était communiste aussi à l'époque, et donc ils sont redescendus jusqu'au milieu, et là en fait il me semble qu'il y a eu des propositions de cesser le feu, en mode genre on fait un Vietnam Nord et un Vietnam Sud, sauf que ça a été refusé, je sais pas par qui, je crois les Américains, ça c'est des détails que je ne connais pas, et donc ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment, les Américains, voyant qu'ils commençaient à céder trop de territoire au Vietnam Sud, ont dit c'est trop tard. On a perdu trop d'hommes, dans tous les cas on peut pas sauver la situation, et donc ils se sont définitivement barrés. Et là où c'est marrant entre guillemets, c'est que la guerre du Vietnam c'est l'une des guerres les plus terribles qu'il y ait eu. On n'en parle pas beaucoup, parce que en fait ce qu'il y a c'est que à chaque fois genre on dit que la guerre la plus terrible c'était la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'il y a eu la Shoah c'est quelque chose de terrible, mais c'était pas tout à fait la même chose en fait. La Shoah c'est une extermination, c'est un génocide incroyable, les juifs ils étaient pas en guerre, les juifs c'était pas une faction, donc c'est littéralement un pays qui a décidé dans tous les... Enfin, un gouvernement qui a décidé dans tous les pays conquis de massacrer les juifs, et pas que les juifs, on va pas dire ça en détail, mais en gros c'est un gouvernement qui a décidé dans tous les pays conquis d'exterminer toute une partie de population, donc c'est terrible. Mais ce qu'il y a c'est que là c'était pas pareil, c'est qu'en fait au Vietnam, il y a eu des trucs catastrophiques qui se sont passés, c'est que les États-Unis ne voulaient rien céder, et donc ils ont testé des... il y avait aussi les LGBT, oui, il n'y a pas tous les LGBT, genre je crois que les lesbiennes elles étaient laissées tranquilles, mais les homosexuels, si les lesbiennes elles y étaient, mais je crois que les asexuels ils étaient laissés tranquilles parce que ça se voyait moins, mais une partie des LGBT en tout cas ont été exterminés. Bref, ce qu'il y a c'est qu'au Vietnam, c'était les Américains en guerre contre le Viet Cong, on fait n'importe quoi. En fait, le problème, c'est que les Rouges, au Vietnam, c'était pas des villes. C'était pas vraiment un camp, en fait. C'était des gens, comme vous et moi, qui se cachaient dans la campagne, qui se cachaient dans les maisons des gens. Et donc, un peu tout le monde était considéré comme collabo par rapport aux États-Unis. Donc les États-Unis ont bombardé énormément de gens sans distinction, et ils ont massacré énormément de gens de la population, vraiment sans faire attention à qui ils massacraient, parce qu'ils se disaient, en fait comme ils savaient qu'une partie des Vietnamiens collaboraient avec les communistes, ils se sont dit, voilà, on va leur montrer l'exemple, on va leur montrer ce que c'est de collaborer, donc maintenant comme ça ils vont nous rejoindre, sauf qu'en fait ça a eu l'effet totalement inverse, parce que quand les Vietnamiens se sont rendus compte que les Américains les massacraient, ils se sont dit, ah bah je préfère être soviétique
4 américains. Et ils ont eu à peu près raison, je sais pas, non, on peut pas faire ce jugement, on sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est tellement terrible qu'on peut comprendre leur choix. Genre, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'agent orange, mais vous verrez ça quand vous serez en troisième. C'est en troisième qu'on voit normalement cette fameuse photo. Si vous êtes trop jeune, ne faites pas ça. Mais si vous avez... Enfin, si vous avez l'esprit trop fragile, ne faites pas ça. Mais sinon, si vous pensez que vous êtes prêt, parce que c'est une image assez terrible, vous pouvez taper Agent Orange Vietnam sur Google Images. Il y a une photo qui est très connue, on voit une petite fille, vraiment de 8 ans, quelque chose comme ça, qui court sur la route. Et juste après les bombardements, c'est pas l'Agent Orange, ça, c'est les bombardements au napalm. Parce que, enfin, genre, c'est terrible. Les Américains ont bombardé de napalm la population. Le napalm, c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'à partir du moment où ça commence à cramer, on peut pas l'éteindre. Donc voilà, ils ont balancé des bombes incendiaires un peu partout, ils ont massacré une partie de la population qui n'avait rien à voir avec les soviétiques. Et l'agent orange, c'est un produit chimique. Je sais plus exactement ce qu'il fait, l'agent orange, mais c'est un produit toxique, hein. Ça détruit les poumons, ça brûle la peau. Ça met pas des flammes sur la peau, quoi, mais ça détruit la peau. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes de santé à cause de ça, en fait. Et les Américains, donc en fait, c'est un crime de guerre, hein, que les Américains n'ont jamais reconnu. Voilà, voilà, voilà. Bref, on a assez parlé du Vietnam. Salut Minos. Il s'est passé à peu près la même chose finalement en Corée, avec la Corée du Nord, Corée du Sud. Sauf que l'issue de la guerre a été un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont fait un cessez-le-feu, où effectivement ils tolèrent une Corée, enfin un Corée du Nord communiste et un Corée du Sud capitaliste. Si on veut. L'issue de la guerre a été un peu différente. C'est du phosphore, peut-être, je ne sais pas. Mais en vrai, ça s'est passé à peu près de la même façon au final. Enfin, il y a eu moins de massacres, genre, il y a eu moins de crimes de guerre faits en Corée par les Américains qu'au Vietnam. Ça a été le pire. Le Vietnam, c'est la pire défaite des Américains, et en plus de ça, je crois que ça doit être leur plus grand bilan de civils. Bah, exécuté en soi, donc c'est catastrophique, c'est terrible. Les Américains, sur le coup, ça a vraiment été des monstres. C'est pas la seule fois qu'ils l'ont été, mais là, c'est vraiment, c'est le summum de la monstruosité qu'ils ont pu faire. C'est terrible, bref. Elle fait peur, l'histoire avec la fille. La fille, c'est juste un exemple, hein. Genre, en vrai, c'était monnaie courante à l'époque. Les Américains bombardaient quotidiennement les populations. Dans combien de pays t'as voyagé? Alors. La France, ça ne compte pas. J'ai pas songé à être prof d'histoire. Non, bah, faudrait faire des cours. Moi, je suis trop approximatif et je connais vraiment pas tout. Faut demander à l'oncle. Lui, il connaît plus de trucs que moi. Alors, on compte pas la France. J'ai fait. Commençons par l'Europe. France, Belgique, Pays-Bas. Voilà, en France, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... J'ai pas fait de pays en Afrique, j'ai pas fait de pays en Amérique, ni en Océanie. Donc j'ai fait Émirats Arabes Unis, j'ai fait Thaïlande, bien entendu, Chine, Japon, je compte pas les pays où j'ai juste fait escale, hein. Cambodge, Laos, Vietnam, Corée du Nord, ça fait 11. Et je crois que ça s'arrête là, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais ouais, je pense que j'ai voyagé dans 11 pays. Je pense pas en oublier, là. Et vous? Donc toi, Coco, Suisse, Espagne, Italie. Italie, j'en rêve. J'en rêve. J'ai trop envie d'aller en Italie. Oui, Corée du Nord. À chaque fois que je dis que je suis allé en Corée du Nord, il y a encore des gens qui sont étonnés. Alors que si, j'ai fait ce voyage en 2012 ou 2013. Et j'en ai parlé plein de fois. À chaque fois, j'en parle de ce voyage. J'ai trop de trucs à raconter sur la Corée du Nord. Mais oui, j'y suis vraiment allé. Moi qui a juste été en France et Espagne, bah après, à votre âge, je n'étais allé qu'en Belgique. C'était le seul pays que j'avais visité. Donc, c'est déjà pas mal, vous avez de l'avance sur moi. Et moi, là, maintenant, j'ai trop envie d'aller en Algérie, vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être aux prochaines vacances de partir, j'irai. Japon, Maroc, États-Unis, ça fait pas beaucoup de pays, mais alors ça fait des sacrés pays. Ah non, faux. Ah d'accord, ok. Kim Jong-un y était, bien sûr qu'il y était quand j'y étais, mais je l'ai pas vu, bien entendu, enfin genre il est gardé, il est surveillé, on sait même pas où il habite, c'est secret. J'ai pas vu la vidéo du roi des rats sur la Corée du Nord, j'avais juste commencé à la regarder, et ça m'a saoulé parce que c'était trop de clichés en mode genre,
Moi, je croyais qu'on pouvait pas aller en Corée du Nord, hein. Vraiment. Pourtant, genre, j'ai été surpris d'apprendre qu'on pouvait. Et puis puis après, bon, j'ai fait ma demande de visa, hein. Je pensais que ça allait être compliqué à avoir. Finalement, ça a été et tout. Et à chaque fois, c'est ça, en fait. Enfin, genre, ce genre de cliché. Enfin, je trouve pas ça. Enfin, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'avais bien compris que la Corée du Nord, c'était pas inaccessible du tout. Donc, je sais pas. Moi, c'est le genre de truc. Elle est pas nulle sa vidéo quoi, mais c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui n'y connaissent rien en Corée du Nord quoi. Moi je la connais la Corée du Nord maintenant, donc je... Moi quand je vois ça, je me dis, enfin c'est bon, c'est un discours que j'ai eu il y a 15 ans quoi, donc ça me saoule, c'est juste chiant pour moi. Mais elle avait l'air bien quand même la vidéo. Faut juste être prudent en Corée du Nord. La Corée du Nord est statistiquement, vraiment hein, par les chiffres, le pays du monde, enfin la destination touristique la plus sûre au monde. Il n'y a jamais eu d'agression sur un touriste, d'agression, de vol ou de meurtre ou de viol sur un touriste, jamais. Et ça, il y a aucun pays au monde qui peut le dire. Mais ça, c'est normal. Enfin, genre, c'est tellement surveillé que ça peut pas arriver. Mais donc, en tant que touriste, c'est la destination la plus sûre au monde. Il y a quelquefois des arrestations par le gouvernement, mais enfin, c'est tellement rare que, genre, statistiquement, c'est rien du tout par rapport à d'autres pays. Hein. T'as plus de chances de te faire arrêter au Maroc. Qu'en Corée du Nord. Et t'as même plus de chances de faire de la prison au Maroc en étant un touriste qu'en Corée du Nord. Moi, Belgique, car ma cousine et mes parents y étaient. Cool. T'es allé au Pakistan, Issa? Ah, j'aimerais trop aussi. Inde, Pakistan, j'aimerais bien. Et pourquoi pas la Tunisie? Moi, je... J'aime pas voyager tout seul, donc soit je vais dans un pays avec des potes, soit je vais dans un pays voir des potes. Et j'ai des potes qui vivent en Algérie, Bartir et son cousin et tout. Donc comme ils y vivent, moi je veux bien y aller parce que comme ça on sera ensemble et on va faire plein de trucs ensemble. La Tunisie, je veux pas y aller parce que... Enfin, je veux bien y aller, mais je veux pas y aller actuellement parce que j'ai personne pour m'accompagner et j'ai personne chez qui aller en fait. Genre... Bartir, il est majeur. Ses potes et tout, ils sont majeurs, donc on peut se prendre un Airbnb ensemble et tout, c'est cool. En Tunisie, je sais que j'ai des abonnés. Au Maroc aussi, je sais que j'ai des abonnés. Mais je peux pas y aller. Parce que genre, voilà, enfin genre, je peux pas squatter chez vous, vous avez 13 ans, 14 ans, vous êtes probablement très cool, mais on n'a pas la même vie, quoi, c'est pas le même genre de vie, enfin, le même genre de délire qu'on aurait ensemble et tout, genre, je peux y aller vous rencontrer, mais je peux pas squatter chez vous et tout, c'est pas des vacances pour moi. En Algérie, je sais pas quand je vais y aller, en vrai. Partir, je lui ai demandé quand est-ce que c'est ses prochaines vacances. Peut-être que j'irai. Je sais pas quand c'est les prochaines vacances des Algériens. Tu veux qu'on aille ensemble quelque part? Non, je vais pas ensemble quelque part avec des lycéens. Un jour peut-être, on verra, mais pas pour l'instant. À la Toussaint? Non, je sais pas si en Algérie ils ont des vacances à la Toussaint. Ryan, c'est exactement la même réponse que Coco. Eh mais j'ai pas vu le temps passer en fait, on a tellement parlé, j'ai pas vu le temps passer, c'est ouf. Bah écoutez, on va probablement avoir fini le deuxième quartier. Tranquille, c'est qu'un âge. Non, c'est pas un âge, c'est chiant quand tu sors, quand tu vas en vacances comme ça. Bah déjà, tu peux pas quitter le pays simplement. C'est compliqué. Puis après, genre, on peut pas boire d'alcool, on peut pas faire la fête. C'est quoi cette histoire? Vas-y, attaque montée. Ok, ok, allez, on va battre le boss, je pense. À moins qu'il y ait d'autres combats. Non, ça a l'air d'être la fin. Tranquille, tranquille. J'aime pas trop la France. Moi, j'aime bien la France. Et plus j'ai voyagé dans ma vie, plus j'ai aimé la France. Au début, j'aimais pas trop la France, mais plus j'ai voyagé, plus je me suis rendu compte que c'était bien. Bah ouais, c'est Créti, mais on se rencontrera un jour, c'est obligé. De la binouze. Mais vraiment, hein, la France, elle a beaucoup de problèmes. La France, c'est un pays, effectivement, très raciste, pas mal islamophobe. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas en France, mais on a quand même beaucoup de chance d'être français. On a une protection sociale incroyable. On est l'un des pays où il y a la meilleure retraite, la meilleure assurance maladie. Faut pas oublier que dans la plupart des maladies, enfin, dans la plupart des pays du monde, quand t'es malade, quand t'es au chômage, genre, tu te débrouilles. Fallait que tu mettes de l'argent de côté. C'est le problème de personne, en fait. Genre, l'État s'en fout. Et enfin genre en France on a beaucoup de chance pour tout ça. Vraiment la France c'est cool pour ça. Oui le SMIC va être augmenté pour s'aligner sur l'inflation. Donc en gros il va pas être augmenté. Enfin il est augmenté de ce qui devrait déjà être augmenté en fait. Genre c'est pas vraiment une augmentation en soi. Bah ouais c'est Créti. J'espère l'année prochaine s'il y a bien une Paris Game Week. S'il y en a pas je vais hurler.
Comment peut-on te rencontrer, Kirb? En ce moment, on ne peut pas me rencontrer. Mais quand il y aura la Japan Expo l'année prochaine, la Paris Game Week, on pourra se rencontrer. Kim Jong-un est méchant ou pas? C'est un peu compliqué comme question. Oui, bah bien sûr qu'il est méchant. Après, est-ce qu'il est totalement responsable de tout ce qui se passe? Peut-être pas. Mais oui, 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 enfin, c'est un dictateur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de dictateurs qui sont gentils. Mais oui, 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 oui. Oh, 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 oh. Ok. Ah non, j'aurais pas dû donner à lui. C'est nul ce que je fais! 262, ça permet pas de la tuer? Mais elle a trop de PV. Alors si on perd, c'est pas très grave non plus. Hein. Parce qu'on ira mettre Kaoui et je pense qu'on va le buter. Après, ça va être simple. Mais là, on n'a pas du tout une équipe adaptée parce qu'il n'y a personne dans notre équipe qui a des pouvoirs d'attaque, en fait. Mais... elle attaque jamais, la console. Enfin, si, il y en a beaucoup qui ont des pouvoirs d'attaque, mais pas suffisant, en fait. Genre, ils n'attaquent pas beaucoup. C'est comme dire Emmanuel Macron est-il gentil? Je pense que Emmanuel Macron n'est pas gentil. Mais je pense que la plupart des hommes politiques ne sont pas gentils. Après, bon, il y a méchant et vraiment très méchant. Kim Jong-un, c'est un dictateur. Je pense qu'il y a un niveau, genre... il est quand même bien plus méchant que Macron, quoi, si on voulait comparer. Vas-y, cheval. Chevaucher. Yes. Ça, c'est pas mal. C'est vrai, Coco, c'est vrai. Bah, à cette heure-là, il n'y a plus de train, donc ça va être compliqué de venir, mais... c'est un flop pour tout le monde. Trop nul. Aïe. Ah, ça le tue pas. Ah, je suis choqué. Je pensais que ça tuerait... je pensais que ça tuerait aussi Kaji, mais en fait, ouais, on a vraiment beaucoup XP. Hein, c'est trop bien. Ah, c'est cool, c'est Kriti. Il est trop bien, cet emoji. Bon, en vrai, je suis pas sûr qu'on y arrive quand même. Surtout qu'ils font que d'attaquer l'autre. On s'en fout, c'est trop chiant. Il nous faut Kaoui. Kaoui, où es-tu? Je le mettrai à la place de Mora. Ou peut-être à la place de Kirbendo, en vrai. Tu veux faire Fortnite plus tard? Ah non, non, non. Après, je vais aller me coucher, je pense. Tu es où, là, en France ou en Thaïlande? Je suis en France. Je suis revenu depuis... merci, Mascou. Je suis revenu depuis 3 ans. Hein. Frotti Frotta 3! Et oui, j'ai débloqué ça. Ça, l'animation ne change absolument pas. Hein. Allez. 46 points de dégâts. Ouais, vraiment, hein, si on n'arrive pas le combat, on met Kaoui à la place de Kirbendo. Bon, ouais, il est toujours très utile. Hein. Ok, c'est cool. Et le cheval, il pourrait pas venir plus souvent? Mais... on l'a entendu en double! Alors que personne l'avait payé, non? J'en sais rien. Salut les carottes aux agrumes. Et non, j'ai pas arrêté Yuka Watch, c'est dimanche Yuka Watch. Ah oui, c'est vrai que ça retire le truc, ouais, très bien. Ouais, depuis tout à l'heure, ça bug. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça l'a fait. Mais je n'étais pas sûr. Donc, je l'ai pas dit. Mais ouais. Hein. Oula, oula, oula. Évitons quand même de perdre ces deux-là. Ils en sont où, là, de leur vie? Statue de l'ennemi. Oh, c'est bon, le roi des consoles est bientôt mort. Je ne fais pas de la pub sur demande, comme ça. Sur Nintendo Switch, Yuka Watch? Non, non, Yuka Watch sur Nintendo Switch, je l'ai déjà fini. Je le refais sur 3DS en ce moment. Ok, nickel, nickel. Comment ça, courage, moi? Ah, il avait plus beaucoup de PM, ok. C'est lequel, le dernier? Non, c'est le 2. J'essaye de le finir à 100%. Enfin, pas de finir le jeu à 100%, mais de finir le médaillon à 100%. Et on n'est pas très loin. Oh non. Alors ça, c'est terrible. J'aime pas du tout ça. Tu peux faire de la pub pour Kirbendo? Alors ouais, les gens, je connais un youtubeur, il s'appelle Kirbendo. Il est vraiment génial. Donc allez voir ses vidéos. Vous tapez Kirbendo World ou Kirbendo tout court sur YouTube. Même lui, il connaît pas son propre pseudo. C'est génial, bravo Kirbendo.
Ok, protection, vas-y. Comment avoir 50 000 étoiles rapidement? En devenant sub. Quand t'es sub, tu gagnes tes étoiles plus rapidement. Surtout qu'en ce moment, ce mois-ci et ce mois-ci seulement, si vous devenez sub, ça coûte 20% moins cher. Ok, allez, attaquez, attaquez. Non mais c'est nul cette attaque. Yes, il y en a plus qu'un. Et OOC qui revient. Donc comment ça OOC? Ocarina of Time? Quoi? C'est quoi la question? Et voilà, c'est bon. Alors là, Valou, j'espère qu'il va aussi gagner plein d'XP. Non, même pas un niveau. Trop dommage. Bon, il est déjà niveau 26. Il aura quand même gagné 26 niveaux en un live. C'est pas mal. Si on n'a pas d'argent, Kir, bah si on n'a pas d'argent, il n'y a pas de moyen de gagner d'étoiles plus vite. Malheureusement. Valou, il est niveau combien avec le cheval? 9. On va bientôt pouvoir remettre Kirbendo. Oh, c'est chiant ça. Pourquoi Valou, il veut pas de nouveaux trucs? Pourquoi tu lis pas mon message? Au début, Valou, il aimait tout. Maintenant, il a un peu plus de mal. Ouh. Kirbendo, t'aimes bien ça, le truc de robot? Le roboisson? Ok, bah oui, il aime bien. Et oui, aussi, parce que certains ne le savent pas, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à Twitch et pouvoir avoir un sub gratuit par mois. 20% ce mois-ci, ou si on le prend ce mois-ci, on paye toujours 20%. Non, si tu prends là ce mois-ci des subs, si tu offres des subs ou que tu achètes des subs, ça coûte 20% moins cher, mais c'est que ce mois-ci. Mais si par exemple tu achètes 6 mois pour toi maintenant, tu peux si tu as envie, et ben ça fera 6 mois que tu auras payé 20%. Tous tes 6 mois, tu les auras payés 20%. Mais non, le mois prochain, ça compte plus. Donc, t'auras pas à payer 20% plus cher pour ceux que t'as déjà payé le mois prochain, tu les garderas. Mais voilà, c'est que les transactions qui sont faites ce mois-ci. Et PewDiePie, c'est vrai, c'est un youtubeur qui est cool et il a pas beaucoup d'abonnés. Donc, les gens, je vous conseille, hein, subez-vous à PewDiePie. PewDiePie. Je ne vais pas voir sur Snap maintenant, non. Si t'as Amazon Prime, ton abonnement est gratuit tous les mois. Oui, tu as un abonnement gratuit par mois si t'as Amazon Prime. C'est-à-dire que comme il n'y a pas le renouvellement automatique, si tu te subs par exemple à moi, ok, et bah ce sera gratuit pour le mois. Et à la fin du mois, ça va le retirer. Et tu pourras te sub à quelqu'un d'autre ou continuer de te sub à moi, comme tu veux. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. T-Series? Ah ouais, T-Series aussi, petite chaîne, hein. Petite chaîne tranquille, là, indienne, vraiment cool. Les gens, allez vous abo. Ils sont en manque d'abonnés. Pourtant, ils font du bon taf, donc allez-y. C'est pété. Bah, c'est comme ça. Amazon Prime, c'est cool parce qu'Amazon Prime, bah, t'as Amazon Prime, déjà, c'est pas mal. T'as la livraison express gratuite. T'as d'autres promos sur Amazon. En plus de ça, tu as Prime Video. Et Prime Video, les gens, vraiment. Prime Video, il y a des séries de ouf dessus. The Boys, c'est vraiment bien. Et il y en a d'autres, mais j'ai oublié. Mais il y en a d'autres, je sais, mais j'ai oublié. Mais il y a The Boys. The Boys, c'est vraiment cool. Utopia, bon, il y a que la saison 1 et il y en aura pas de suite, mais c'est bien. Il y a des films aussi. Il y a vraiment des trucs cool sur Amazon, enfin sur Vidéo Prime. Et en plus, t'as Twitch Prime. Donc t'as un Prime gratuit par mois. T'as fait le vaccin aujourd'hui, c'est Créti. Première dose, deuxième dose. La première dose, souvent ça va. Mais la deuxième dose, ça fatigue. Mais en tout cas, je te souhaite de pas avoir trop d'effets secondaires. Tes grands-parents ont Amazon Prime? Bah, lis ton compte au leur. Oh non. Faut qu'on mette des délais. Faut qu'on remette des délais. Ok, niveau 19, très bien. Et niveau 10, plus que 2 niveaux, et je le change. Raté, encore vivant. Oui, je crois. Oui, il a fait une story sur Insta il y a pas longtemps. Alors. Oui, c'était niveau combien? 9. Ok. T'as rien eu, première dose et deuxième dose, rien. Bah, il y a des gens qui ont rien, hein. Tant mieux pour vous, mais c'est souvent à la deuxième dose qu'il y a des effets secondaires quand même. Oh, enfin! Enfin! Yes, arc lunaire. Cool. Par contre, la tenue poids, j'avais dit on la prend. On va s'en débarrasser vite. Ça fait combien de temps qu'on l'a? Ça va bientôt faire une heure, non? J'ai l'impression qu'on va terminer le live sans avoir de nouvelles tenues pour Valou. Et ça, entre nous, hein, mes petits bonhommes, ça ne me va pas du tout. On devrait faire une tier list des mythes dans Mythopia de la série de Kirb. Faites-la si vous voulez. Que penses-tu de ce vaccin? Eh bien, je pense que c'est très bien et que c'était nécessaire, qu'il faut se vacciner impérativement pour se sortir de la pandémie.
et qu'il faut le faire oui, rapidement, parce que plus on attend, plus on a de chances qu'on ait des variants résistants. Voilà ce que j'en pense. Et pour un chanteur peu connu, je sais pas si tu connais Eminem. C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit rappeur avec beaucoup de potentiel. Donc allez vous abo, il est cool. Mais un autre jour pour Fortnite. Qu'est-ce que tu dis depuis 11 fois, Lenderian? Si j'habite en France, Léo Bluteux, c'est donc que j'ai peu de chance d'habiter à Bangkok. Après, il y a peut-être une ville en France qui s'appelle Bangkok. Je ne la connais pas. En tout cas, c'est pas là-bas que je vis. La Terre est en colère. Pourquoi t'as boosté lui alors qu'il est de toute façon nul? C'est proportionnel le boostage. Faut booster moi. Oh, trop nul. Oui, on jouera à Fortnite un jour, mais je sais pas quand. J'ai dit pour l'instant, j'avais pas envie. J'avais plus envie de jouer à Fortnite. Vas-y, renaclement. Ouais, j'habite sur Terre. En vrai, tout le monde n'habite pas sur Terre, hein. Il y a des gens qui habitent dans la Station Spatiale Internationale. Mais oui, j'habite sur Terre. T'avais quand même beaucoup de chances que je réponde oui à cette question. Tu penses quoi du fait d'aller sur Mars? Ce serait mon rêve. J'aimerais trop y aller. Si on pouvait, j'irais. Mais je suis un peu sceptique sur le fait que ce soit réalisable prochainement. Elon Musk dit que oui. Je pense qu'un jour, on le fera, probablement. Mais je pense que, pour l'instant, on n'a pas trop les moyens, finalement. Oui, je l'ai regardé, Coco, et la trad avait l'air bien. Oui. Après, j'imagine que la trad, c'est les textes récupérés sur Yooka Watch 1 3DS. Mais ouais, c'était cool. Avant, tu habitais pas par là? Si, mais il y a 3 ans. La Lune, je pense en vrai qu'il y a plus de chances qu'on ait rapidement une base habitée sur la Lune, peut-être par la NASA ou par la Chine ou l'Inde, que sur Mars. Genre... Et en plus, commencer à voir des gens qui vivent sur la Lune et voir comment ça se passe, je pense que ça paraît plus simple et plus réalisable que directement faire Mars. Mais bon, Elon Musk, il a sa lubie d'aller directement sur Mars. Ok. Ouais, déjà 3 ans, hein. Non, ça fait 2 ans et demi. Ça va bientôt faire 3 ans. Ok, super. 2375 en plus, on gagne énorme de visage, c'est trop cool. Par contre, le quartier numéro 3, on voit la différence de niveau là, par rapport au quartier numéro 2. Ah, plus Ryan, c'est vrai, t'as dit que tu restais pas longtemps, t'es resté au moins 40 minutes, si ce n'est plus. Ouais, on va quand même utiliser la salière. Parce que là, on a un soigneur qui se touche les couilles. Enfin, quoique, c'est une fleur, en théorie, ça n'a pas de couilles. Une heure. On se souvient du car à ta gauche de l'époque. À ma gauche. C'était le dessin, non? Je l'ai toujours. Je l'ai ici, mais je l'ai plus en cadre. Parce que je peux rien mettre au mur, donc j'ai ramené tous ces trucs, mais je les ai pas mis en cadre. On pourra passer par la Lune pour aller sur Mars. Oui, si... C'est aussi l'un des trucs qui me fait dire que ce serait bien d'avoir une base, et pour laquelle la NASA aussi aimerait bien avoir une base sur la Lune, c'est que si on fait des vaisseaux là-bas et qu'on les envoie depuis la Lune, bah ça coûtera beaucoup moins cher que les envoyer depuis la Terre, parce qu'il n'y a pas l'atmosphère à traverser. Donc ça dépensera beaucoup moins de carburant. On pourra passer par Jupiter pour aller sur Mars. Quoi? Non? Hein? Alors, je suis nul. J'aime bien l'astronomie, hein, mais je suis nul pour savoir l'ordre des planètes dans le système solaire. Mais il me semble que Jupiter est plus loin. Je crois que la planète la plus proche de la Terre, il me semble... Je suis pas sûr, hein, corrigez-moi si je me trompe. Je pense que la plus sûre, c'est Vénus. Enfin, non, la plus proche, pas sûre du tout. Mais la plus proche, c'est Vénus, sauf que c'est vers l'intérieur du système solaire. Et il me semble que vers l'extérieur, la plus proche, c'est Mars, je crois. Non, il me semble que c'est pas Mars la plus proche, hein. Il me semble que Vénus, c'est vraiment la plus proche. Mais comme elle est absolument pas habitable, c'est pour ça qu'on parle de Mars à chaque fois. Mais je crois que c'est comme ça. Donc c'est la Terre, le Soleil, Vénus entre les deux, relativement proche. Et à l'extérieur, il me semble que c'est Mars, je crois. Jupiter est très 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 loin. Hein, donc non, je crois qu'on va pas aller sur Jupiter, sur le chemin de Mars, ça ferait un gros détour. Et mince, Valou veut toujours pas de nouvelles tenues, c'est nul.
Vas-y. Les bonbombes. Ok, très bien. Et le gâteau au chocolat, t'aimes bien? En plus, non, il aime pas. Et encore, on peut lui donner un petit truc. Une petite soupe. Non, mais il aime plus rien, là, c'est ouf. Soleil, Vénus, Mars, Terre. Alors, je crois qu'entre le Soleil et Vénus, il y a une planète, non? Il y aurait pas Mercure? À chaque fois, ça me saoule de pas savoir. Parce que j'adore l'astronomie et tout, mais ça me saoule de pas savoir, genre, cet ordre. Bah, c'est ça. Il y a effectivement Mercure, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et après, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Je sais même pas pourquoi sur cette image, ils mettent encore Pluton. Mais bon. Et donc, j'avais raison. C'est bien Mercure la plus proche du Soleil. En fait, c'est que Mercure, comme elle est bleue et tout, on l'oublie. Effectivement, parce que Vénus, elle est proche du Soleil et elle est bouillante. Alors qu'après, bah, y a justement Mercure qui est encore plus proche. Et dans notre tête, elle est moins chaude que Vénus, d'ailleurs. Mais Vénus n'est pas si chaude. La raison pour laquelle elle est chaude, parce que si, elle est très chaude. Je crois d'ailleurs que de toutes les planètes système solaire, c'est la plus chaude. Mais elle n'est pas aussi chaude que ça, uniquement à cause de sa position. Elle est à cause d'un effet de serre constant. À cause de son atmosphère, un effet de serre constant qui a réchauffé énormément Vénus il y a des années. Je vais compléter le jeu à 100% car le 100% n'est pas très intéressant. Non, finalement, je vais juste faire jusqu'au dernier boss. Parce que ce serait bien un jour de faire le dernier boss quand même. Mercure pouvait être habitable il y a des centaines de millions d'années. Mercure peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, je sais que Vénus l'était probablement il y a quelques millions d'années. Quand on dit que la planète jumelle de la Terre dans le système solaire, c'est Mars, en fait, c'est un peu faux. On pense que... Enfin, c'est vrai, Mars est assez similaire à ce que la Terre était. Mais Vénus l'était probablement plus, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est méconnaissable. Tu comptes faire une rencontre à abonnés vers Orléans? Non. C'est vrai que je vais à Orléans ce week-end, mais j'avais pas prévu, donc non. Go détruire la Terre avant de partir sur Mars. C'est un peu ce qui est en train de se passer, en fait. On sait pas vraiment, mais on suppose. Allez, venge-toi. Ils sont chiants, ceux-là. Hein. Les petits diablotins, je les déteste. Le fait qu'ils nous retirent, là... Ah, mais il est mort. Ok, très bien. Non! Ok, très bien, très bien. T'aimerais aller sur Jupiter? Aucune planète du système solaire n'est suffisamment habitable pour que j'ai envie d'y aller. À part peut-être Mars. Mais Mars, faut vraiment... Enfin, on peut pas y aller sur la planète comme ça et marcher tranquille. Hein. Faudra des bases et tout. Mais quand il y en aura, ouais, je veux bien. Sur une planète, il y a des puits de diamants. C'est possible, on a même trouvé une planète qui est un diamant gigantesque. Genre, elle est très 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 loin. Mais il existe une planète qu'on a trouvée qui est littéralement un diamant. Entièrement. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce qui arrive à Pégase? Vous voyez, elle reste collée à David, génial. Et donc, pas d'augmentation de relation. C'est quoi ça? D'ailleurs, les amis, le prochain live sera sûrement lundi sur Miitopia. Il faudra me rappeler au début du live, s'il vous plaît, ok, de faire. Attendez, protection, pouvoir. Oui, donc je finis jamais ma phrase, mais il faudra me rappeler d'aller rebattre le boss final. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas rebattu. Et qu'on en aura besoin pour passer à la suite. Yahoo! Bon, il est toujours pas mort là, le diablotin? Pitié. T'as un cadeau pour moi depuis un an chez toi? Ok, bah Coco, bah je l'aurai un jour peut-être. Oh non, pas pris dans les taux. Ah si, si c'est sur lui, ok, tranquille, nickel. L'ennemi au milieu est chelou. Au milieu? On l'a déjà vu plusieurs fois, elle. J'espère que c'est le dernier combat de cette zone. Parce qu'on s'en avoir assez de ces diablotins. A plus, Léo Bluteux. De toute façon, là, on va arrêter le live. Hein. On fera le boss la prochaine fois. On va arrêter après ce niveau. Je sais pas imiter Wario, moi. Non, je sais pas, moi. Je suis pas un bon imitateur. Hein. C'est mon point faible. Les imitations, depuis que je suis sur YouTube, c'est... Genre, vous avez pu vous en rendre compte, c'est mon point faible. Vas-y, Coco.
Aminos, on espère Paris Game Week 2022, on se revoit. Ok, nickel. Ça me fait penser qu'il y a pas longtemps, je trouvais une lettre que j'avais fait à mes 10 ans pour toi. Ah là 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 là. Ça doit faire bizarre de revoir ce genre de truc. Moi, j'ai retrouvé une lettre que Noy m'avait envoyée. Noy, maintenant, il a bientôt 19 ans. Qu'il m'avait envoyée quand il avait 14 ans. Et je lui ai montré et tout, genre, il avait un peu honte. Hein. Et voilà, il est niveau 12. Ça tombe bien. Le dernier truc encore pour Valou, même si on sait que... Ah mais non, mais j'aurais pas dû, on savait vraiment qu'il aimait pas. Ok. Bon. Avec Deadly, pourquoi le mettre avec Deadly? On va le mettre avec Kawi pour l'instant. Quoi qu'avec Deadly, il est niveau 0. Ok, on va faire comme ça. Et il veut rien acheter. Fait chier un peu, non? Non. Non. Bah, salut Galaxim, ça va et toi? Malheureusement, tu arrives un peu tard, c'est la fin du live. Pourquoi on est à Paris Game Week si on peut pas aller à Paris? Eh ben, on peut pas. Voilà, tu as répondu à ta question. Bref, les gens, j'espère que ce live Mythopia vous aura plu. Je vais pas rester bien longtemps parce que, comme d'habitude, faut que j'aille pisser. Voilà, j'ai toujours envie. Mais en vrai, c'est parce que maintenant, je bois trop d'eau. Je bois au moins 3 litres d'eau par jour. Mais avec le sport et tout, je me dessèche en... Je me dessèche constamment. Donc justement, je vais pas rester parler avec vous. Mais on pourra faire un petit live blabla, puisque de toute façon, eh bien, il faut que je fasse mes 30 heures de live. Donc la semaine prochaine, on va faire beaucoup de live. Je pense que, bah déjà, bon, avant que je parte, j'abonnez tous ceci à Paris. Avant que je parte, demain soir, Pompeur Mario. Dimanche, si on a le temps, Yo-Kai Watch 2. Lundi soir, Mythopia, même si j'aurais peut-être oublié d'ici là. Puis ensuite, probablement mardi, on pourrait faire un petit live blabla. Genre FAQ, blabla, tout ça. On pourra en profiter pour faire les tier list, tout ça. Mercredi. Faudrait qu'on continue Mythopia. Vraiment, Mythopia, faut qu'on le charbonne pour le finir au plus vite, pour ensuite faire d'autres trucs. Vendredi, on refera Pompeur Mario. Samedi, Yo-Kai Watch. Et dimanche, un autre truc, on verra. La semaine prochaine, on va faire probablement beaucoup de live. Hein. Bon, les gens, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, hein, les gens de la rediff. Pas les gens de Twitch, vous ne pouvez pas. Les gens de Twitch, subez-vous. Merci à tous. Et à la prochaine. Et Monsieur Hippo, t'étais toujours là. Salut, bonne soirée à tous.